Ity famelabelarana manaraka ity dia mivokarin'i Gloriane. Fikambarana tsy mitady tombontsoa. Ity dia iray amin'ireo famelabelarana azo ampiasaina malalaka ao amin'ny tranokaly gnosticpublishing.org ary ao amin'ny page Facebook fampianarana gnostika. Ireo famelabelarana ireo dia ny sokajiana arakaraka ny sokajy sy hasarotana. Ary izy rehetra dia mahafeno filan'olombelona. Manomboka ny famelabelarantsika, engana iny olona rehetra ho sambatra. Maître Samael, tao amin'ny bodhista tovany ao ny Veor. Tamin'ny 1955 zany izy ny 5 avril dia célébré ny mpianatra gnose dans le monde entier zany célébré androandroany le 27 octobre comme l'anniversaire de l'incarnation du Logos. Tamin'io zany ny tambatra zany ny âme humaine sini le Christ, l'intime du maître Samael. Dina numbuko tamzay zany izy 27 octobre 1955 no numbuko na pianatra zany izy dévoilé les secrets rehetra miafina amin'ny religion rehetra. Satria le teny hoe religion zany mila mazava amintsika iny atao hoe religion. Satria zany amin'izao fotoana misy atsika zao rehefa maheno izay teny zay tonga dia ohatrany sosotra ny olona rehetra satria rehefa hoe religion fandrembidrembena lohan'olona. Zay zany zavatra amin'ny epokitsika zao zany satria efa lasa dégénéré zany ny religion ataon'olo fitadiavam-bola zany zay le teny hoe religion zay dia lasa tsy maliana olona tsony zay le teny hoe religion zay. Nefa en réalité idikany hoe religion avy amin'ny teny hoe religare. Religare, teny latina io, midika hoe reunir. Misy zavatra nitambatra zany taloha, tapaka izay fitambarana izay, dia averina indray. Reliena zany, averina tambatra. C'est ça la religion. Amin'ny teny hindou izy antsoina amin'ny teny hoe yoga. Teny efa henontsika koa izay yoga izay antsika izao rehefa tenenina yoga izay. Eritreritra antsika matetika tsara tonga an-tsainatsika zany exercice acrobatique ny ata yoga regny zany amin'ny lohantsika. Mais le mot yoga, le sens dikan'izay teny hoe yoga zay mitovy amin'ny religion. Fa ny fomba fiteny fotsiny samihafa noho ny avy amin'ny toerana samihafa ny voan'le teny. Ka ny dévoilé izy ho antsika ny secret miafina ao amin'ny religion rehetrarehetra. Satria chaque culture, chaque civilisation misy fomba fieritreretana izay antsoina amin'ny teny hoe idiosyncrasie. Dikany hoe idiosyncrasie zany hoe fomba fieritreretana. Donc chaque culture zany manana fomba fieritreretana. Ka le message avy amin'ny divinité ho an'ilay vahoaka amin'ilay toerana misadapte amin'ny fomba fieritreretan'ilay olona amin'ilay toerana. Dia misy symbole zany omena anafenana connaissance. Arakaraka ny fomba fieritreretan'ilay olona amin'ilay toerana zany ny fomba fanafenana ilay connaissance. Zay zany mahatonga antsika mahita amin'ny boky masina ireny, ninoninona boky masina raisintsika na maka bible antsika na maka tora antsika na maka coran antsika na maka bhagavad gita quel que soit livre sacré dia sous forme de mythe. Mythe zany ohatra ny tantara. Sous forme de tantara, dia agnatin'ny tantara anafenana connaissance. Par exemple, amin'ny Bible zao tsika mahita tantaran'i Abraham. Tantaran'i Abraham niteraka Ismaël sy Isaac, andeha Jacob, nivoaka ny Moïse, Noé sy ny tariny regny. Regny rehetrarehetra regny, ce sont des mythes, des histoires pour cacher quelque chose à l'intérieur. Fa raha tsy manana zay connaissance antsoina hoe la gnose zay antsika tsy afaka ahalala hoe inona ny zavatra miafina amin'iregny mity regny. Dia lasa mamaky literaly.
dia mandray mieritreritra antsika Abrahama niala amin'ny toerana anankiray antsoina hoe Or, nandeha amin'ny so niady amin'ny mpanjakan'ny Sodoma sy Gomora, nandresy izy, dia nifanena tamin'ny Melkisedeka, dia nanao tantara lavabe, dia mieritreritra antsika fa igny ary Abrahama sy ny tariny, dia zavatra nisy physiquement. Marina fa nisy regny profeta regny tegna niexiste. Amin'ny maha olona reo zany nisy. Fa ilay tantara agnatin'ny boky masina regny tsy tantaran-dreo amin'ny maha olona reo. Fa tantara ny antsoina hoe archetype izay ananantsika tsirairay amin'ny fagnahyntsika ao amin'ny lalana andalovany na avy ambony midina na avy ambany miakatra. Regny izay tantara agnatin'ny Baiboly regny. Baiboly avy amin'ny teny hoe Bible. Bible, Baiboly, livre. Ka ninninona ho zany livre sacré dia misy an'izay mity izay ka la gnosy no afahantsika mahafantatra hoe inona marina zavatra resahiny ity. Izay tsy tenenina mivantana fa saromana ilay tantara. Ka mety Samaely zany voalohany ny dévoiler an'izay zavatra izay. Satria taloha zany zao natokana ho an'olo efa ahoana moa nitsongaina, voafidy. Efa nandalo test marobe dia regny zany no bitsina amin'ny sofina zany hoe ohatran'izao 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 ny fandehany. Dia izy magnatanteraka azy. Fa noho ny olombelona efa nanjary ratsy loatra, zany hoe zany efa nianaloto ny fagnahiny, efa presque hoe impossible ny isauver azy raha ohatra tsy hananany mivantana ilay connaissance. Zay zany natonga nahazo mission zany maître Samuel Onveor namoaka publiquement zay information rehetrarehetra zay ka nysoratany amin'ny bokiny misy 70-70 livres nysoratany namoany zay secret rehetrarehetra zay. Ary zay zavatra zay amin'ny bokiny rehetrarehetra misy bokiny miresaka avy amin'ny point de vue ny islam, misy bokiny miresaka avy amin'ny point de vue ny juif, misy boky avy amin'ny point de vue ny chrétien, ainsi de suite, en bouddhiste, amin'ny hindou. Satria missionnany zany en tant que avatar du verso, zany hoe messager pour le verso, manome zay clé zay ho an'olo rehetra. Zany hoe zany anao raha hindou anao ao amin'ny hindouisme ao ihany ianao manana zay gnose zay ahafahanao magnatanteraka zay autoréalisation na hoe incarnation ny être zay. Raha ohatra anao juif ao amin'ny judaïsme ihany ianao manana lay clé ahafahanao misautoréalise, ainsi de suite. Fa tsy hoe ke musulman anao ka mila ialanao l'islam fa mila miditra amin'ny religion anankiray na secte anankiray ntsoina hoe gnose. Tsy zay, samy mbola amin'ny toerana misy azy fa manana fahalalana. C'est pour ça le maître Samuel dit tonga za tsy andeha i créer secte vaovao fa andeha i dévoiler secret ahafahan'olona tsirairay nezaneza misy azy miakatra. Dia zany zavatra tsara mazava amintsika. Ka zay alohany izy ho tonga havitan'izay zavatra zay dia nandalo épreuve maromaro, nandalo transformation. Izy tompony zany manao transformation par rapport amin'izay connaissance la gnose jusqu'à ce que se purifie izy, jusqu'à ce que izy autoréalise zay resahantsika zay anniversaire ny androany 27 zay, dia afaka nanome amin'izay nanatanteraka ilay mission être anany. Satria mila mazava amintsika koa zany l'être manana partie maro. Atsika zao nous faisons partie de l'être atsika ty ambany aty. Fa ambony ao misy antsoina hoe l'homme céleste, l'homme véritable. Io le Dieu intérieur de chacun de nous, c'est lui. Il est là, c'est lui la réalité. Nous sommes une partie n'zay homme céleste fa antsoina hoe homme terrestre. En réalité azatsika mbola tsy homme terrestre fa mbola humanoïde. Ka à travers la gnose nous afahantsika se transformer en homme terrestre et à partir de là miincarner amizay antsika l'homme céleste. Ka rehefa mitambatra ny homme terrestre sy ny homme céleste, satria ilay homme terrestre nanadiotena na hamono ny défaut psychologique zay rehetra nanany eo dia mihamanatona ilay homme céleste dia lasa tonga anankiray izy. Amin'izay fotoana zay zay afaka miteny ilay bodhisattva hoe izaho ao amin'nyraiko, ny raiko ato amiko. Vous voyez, c'est ça la religion. Vita tanteraka zany ny religion amin'izay fotoana zay. Fa lohan'izay mbola tsy tanteraka fa mbola milalana makany amin'ny religion ihany zany ny zava-misy. Ka tout ce chemin tsy idiratsika lalana amin'ny épreuve zay rehetrarehetra fa tsika androany amin'izay zany la base ny fototra ifotorany zavatra rehetra amin'izay développement spirituel zegny, satria manko zay ny antsoina hoe développement spirituel.
Le thème développement spirituel, ma tête, quoi, ça m'a dit, à qui que nous, nous se développer? Non. C'est notre esprit qui se développe. L'esprit, c'est l'homme céleste. Car nous souhaitons développement spirituel, c'est le développement de l'homme céleste. Car c'est l'homme céleste, donc, tu as comme se développer, l'homme terrestre, tu as un banatit, si m'a tenté la volonté. Vous voyez? Donc, mi fan pian que nous avons. Nerei, sin zanak. Nerei, manuskan zanani, anadjutena, ba afani, mtambatam zanani, mangatantira kazavata ti ambane ti. Ota naton met samel na vitanzea de, nanatantira ka mission reni, ta ti ambane ti. Fa ti possible manatantira ka ze mission zera, ti ma diu le véhicule. L'homme terrestre zan, bila ma diu. Ka zeni la gnose, ka fonze, anadjou venazea. Et c'est le thème d'aujourd'hui. Le feu de la tentation. C'est-à-dire, la base de tout, c'est la tentation. Ratsimis une tentation, fantatonou le veit, adikan le veit, tentation. Inte, in filazanza ten gas? Ina? Fakapanai. Ratsu resna zan, neno amne lalan fakapanai? Ratsis une fakapanai? D'ici un développement spirituel. Mais gaga quoi, on a cousin. Il est dans un fakapana, yen. Ratis un fakapana, tis un développement spirituel. Zanouez un ram katunan yen at grotian, zan yen noa, de vava kamarena tu andro arriva. Tis dikan zay, tis développement spirituel zay. Fan vrai développement spirituel die mien e on pouvoni fakapanai kamandres in fakapanai de direvna bo izani etra na krena no anze zavatra zen de tsinaz nul tam fban putonan de tsiza fa c'est Jésus et sanan Jésus avec les prostituées vartin sout du vin mam lave sanan regno atonon ratam van putona misy atsika zo izy a tab discothèque tari zan feno izy sanan. Des ezan natunga ni antsuna hoe farisiana tezitra taminy. Satria ny farisiana zany mietetra fa le développement spirituel c'est de d'appeler Adonai, Adonai, Eloa, isanandro. Mais le développement spirituel raha te ahita Andriamanitra zany anareo, te ahita Andriamanitra face à face. Ohatra nataon'i Moïse dia midina ao agnatin'ny fakampanay. Tsy midika zay hoe tanterao ny fankapanay fa iadivo ny fankapanay azandosirana mazava zay antsoa de resina mifomba hafa ndray le zavatra resaina ka zay afo ny fankapanay zay zay zany ho etudietsika androany eto atsika misary eto a mahita symbole une image qui symbolise la psyché zany le fagnahitsika zany le andeha anolorana le fankapanay. De il psyché zany ny rahin'ny Dieu, rahin'ny Andriamanitra Zeus. Ty misy boîte, antsoina hoe boîte de Pandore. Hoento ty a ateo ary amin'olona ohatran'izao fa tandremo aza sokafina amin'ny lalana. Voye? De zay tandremo aza sokafina amin'ny lalana zay nametraka zavatra tao amin'le fagnaya inary ny ato agnatin'ity boîte ity. Vous voyez la tentation qui se met en action. Ny zavatra niseho zany a, tsy tantin'ny psyché zany tamin'ny lalana tsy hanokatra le boîte. De rehefa nisokafany le boîte, ny hivoaka avy tao aby ny calamité rehetrarehetra, zany hoe zany ny loza rehetrarehetra. Io zany fototry ny zavatra ratsy teto ambonin'ny tany. Loza rehetrarehetra zany voaka avy amin'ny boîte io. De farany zavatra nivoaka avy tao zany espoir. Donc zany le espoir zany no sisa tavela rehefa nivoaka ny calamité rehetrarehetra. Inona zavatra fonosiny zay mity zay satria miresaka mity atsika. De nofonosina amin'ilay tantarany Pandora zany hoe zany le désir no fototry ny loza rehetrarehetra. Rehefa midésiré zavatra zany atsika, par exemple, eto psyché te hanokatra. Vous voyez, il y a un désir, te hanokatra ny zavatra tsy fantany igny. Igny zany la tentation, de igny no source ny calamité na hoe source ny loza rehetra mivoaka avy eo.
Fa rehefa nivoaka ny loza ny zavatra sisa tavela zany espoir. Zany hoe zany mbola misy ihany fanantenana. Amonoana regny loza rehetrarehetra regny. Zany hoe zany le défaut psychologique rehetrarehetra no se développé eto ambonin'ny tany noho ny désir. Zay zany zavatra miafina. Amin'ny mythe grec zany ahitantsika an'izay, gréco-romain. Zay mythe ny Pandora zay, boîte de Pandore sy Psyché zay. De rehefa nisokatra zany zavatra rehetrarehetra igny a, de iny zany lasa natory zany Psyché. De zay zany symbole amintsika zao rehefa nivoaka, succombé à la tentation zany Psyché a, lasa nisy douleur, lasa nisy souffrance a, de lasa natory Psyché. Zany hoe zany matory ny fanahy. Lasa matory ny fanahy, tsisy zavatra fantany intsony, tsisy zavatra heny. Zay le mahatonga le teny hoe fifoazam-panahy. Matetika hoe fifoazam-panahy de amaky bebouly de anao an'izao de anao an'izao. Zavatra hafa mihitsy ny fomba hoe fifoazam-panahy. Misy zavatra mila ataony ilay conscience mba mamoha ny tenany. De zay no antsoina hoe l'éveil de la conscience. Tantaraina mity anankiray koa zany amin'ny Hebreu agny misy hoe tantarany Davida sy Goliata. Davida kely, Goliata fantatra be, ngeza be, lava be, miaraka amin'ny maramila en arrivo atorinany ato. Regny zany symbolise Psyché, la conscience, kely, faible, 3%, no mifoha amin'izao fotoana zao. De Goliath ary 97% de conscience matory miaraka amin'ny ego rehetra rehetra regny. De David 3% de conscience io iady amin'ny 97%. De amin'ny alalan'ino iadivan'ny David azy? Amin'ny alalan'ny vato zay noraisiny tao anatin'ny rano. Voyez? Mia manafina symbole koa zay mity zay. De igny zany nalefany amin'ny Goliath maty Goliath. Voyez? De nandositra amin'izay filistianina rehetrarehetra de nandresy Davida de lasa mpanjaka. Voye? Mity zay, manafina zavatra koa zay. De amresaka tentation io ihany, le feu de la tentation, amin'ny début ny boky Genèse, rehefa vita ny ilay fitoandro, vita Adama sy Eva, Adama tamin'ny andro fahaenina, Eva tamin'ny andro fahafito, de nakasasatra Jehovah Elohim, de nanome lalàna izy hoe amin'ny arbre na hoe amin'ny hazo rehetrarehetra hitanareo ato a, azonareo hohanina, azonareo atao rehetrarehetra, fa nakray io tsy azonareo hohanina ny vokany na hoe ny voankazo azo avy aminany, le voankazo voarara zany. Voye, c'est toujours Dieu qui dit à l'âme, l'être qui dit à l'âme, ne fais pas ceci. De igny mihitsy no tonga bibilava. Bibilava zay misymbolise le feu. Mitante Eve. Ah, marina moa fa teneny Jehovah Elohim fa tsy misy voninkazo azonareo, tsy misy fruit azonareo hohanina. Tanareo le mahafetsy azy. Marina va ny teneny Jehovah Elohim fa tsy misy zavatra azonareo hohanina amin'ny voninkazo rehetra io? De namaly Eva, azonay hohanina ny voankazo rehetra afa-tsy io anankiray io. Ka na io aza tsy azonay kasina satria raha mikasika an'io zay ono de maty. De tonga le bibilava nanonga ny amin'igny azo misy voankazo voarara. De jerevo aza za mikasika an'ity tsy maty. Hoe de fa ah marina ohatrany tsy maty le bibilava mikasika an'le voankazo fa raha mikasika an'ity ianareo dia hisokatra ny masom-panahinareo hitovy amin'ny Jehovah Elohim ka mahalala ny tsara sy ny ratsy. Voye mahalala la connaissance. Voye bien la connaissance donc se trouve sur l'arbre. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, zay arbre zay. Satria le arbre anankiray azo hohanina ny vokany, arbre de vie, le azo anankiray arbre de la connaissance du bien et du mal. Nakray zany azo piainana, nakray azo ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy. De igny ary fa succombé à la tentation amizay zany Eva de nihinana le voankazo voarara. Ka rehefa nihinana le voankazo voarara dia tonga amizay ny kerobimy rehetrarehetra hoe miala ato anareo midina ary ambany ary ka manomboka an'izao a ijaly anareo. Voye tao amin'ny Edena aloha izy tamin'ny voalohany de expulsé de l'Edena. Misy zavatra miafina zay amizay zavatra zay. Misy symbole miafina.
ka zay zany ho jerentsika lalindalina kokoa zany androany zay tentation zay ka io tentation ho antsika afo afo zao tegna henontsika mihitsy rehefa jerentsika ilay tentation tonga amintsika rehefa kapanay dia mafana mihitsy ka raha tsy haintsika zany no mitantana azy a dia mandoro eto ilay symbole rehetrarehetra resaintsika mikasika bibilava teo igny a à gauche ato antsika psyché efa nazavaintsika ato eve ampovoany io a dia amin'ny mythologie grec indray a ry ambadika ary zany le serpent dia jereva le serpent amin'ny côté le droite ampisotroana zany le serpent vous voyez aiza hitanareo symbole ohatrany io hitanareo andavanandro aiza mafimafy en pharmacie voilà en pharmacie jerevonareo symbole en pharmacie la croix dia misy bibilava miakatra misotro ao anatin'ny coupe coupe le coupe mahitsy tsara fa tsy renversé donc zany misy rano zany eo anatin'ny coupe tsy very zany le rano igny sotroan'le serpent fa maninona no raisin'ny pharmacie zay symbole zay satria zay no sourceny la vie éternelle na hoe fahasalamana mandrakzay elixir de longue vie ao agnatin'ny rano io dia ino ino rano io zany c'est ça le secret conserver l'eau et permettre au serpent de boire cette eau pour que le serpent puisse monter satria zadigna fa misy bibilava karazany anakoroa misy bibilava miakatra misy bibilava midina tadidivy moïse tany anefitra miaraka amin'ny israelita dia moïse tany israelita tato nanota dia ny kakakeriny biby a misy biby marobe bibilava ny ka manekitra azy dia maty ro rehefa tonga moïse miteny hoe ah moïse tegna mangataka aminao zay mifona fa mba andana manelanelana zay entre zay sy jehovah fa nanota contre jehovah elohim zay sy nanota contre anao dia rehefa nandeha nyresaka tamin'ny jehovah elohim amin'izay ny moïse a miteny jehovah elohim manaova anao perche anakiray na poteau anakiray a dia manaova bibilava d'airain serpent de brasse serpent d'airain dia apetrao amin'io apiaka ataovy amin'io poteau io dia zay olona mijery an'io bibilava amin'ny poteau io a dia ho sauve na dia efa voakaikitra ny bibilava ilay mamona aza izy dia voavonjy ihany izy vous voyez donc karaha misy bibilava zany karazany aroa satria matetika atsika manko noho ny éducation nahazotsika atsika mbola kely dia efa hoe maheno bibilava bibilava égale satan bibilava égale le mal fa kanefa ho amin'ny baiboly eo ihany koa hitantsika zay tsy resahana matetika fa bibilava afaka mi sauve bibilava no mahatonga misy fiainana fa bibilava ohatra ny ahoana lay bibilava miakatra fa tsy lay bibilava midina symbolize zavatra zay zavatra zay satria le rano zany mila zavaina zany zay symbole zay mba afahatsika micomprendre azy inona zany le rano mila sotroany lay bibilava tsy inona fa c'est l'eau sexuelle atsika zany rehefa misakafo tsirony zany hoe vitamine les énergies rehetrarehetra azo amin'igny sakafo igny a miditra ao agnatin'ny ra dia le ra zany korina amin'ny vatanatsika mampitohy any pineal sy organe sexuel les hormones zany ao micirculé ao miregira le fonctionny psychologietsika avy amin'io ra io a na hoe le sang no icréena ny sperme pour créer une goutte de sperme il faut 80 gouttes de sang vous voyez donc zany produit fini zany rehefa misakafo atsika mirespire atsika na eritreritrotsika io na émotion ntsika io miinfluencé rahatsika ka zay qualité n'izay rahatsika zay a na hoe le sang zay a no mamoaka qualité ny sperme atsika ka io sperme io ma amin'ny olo
ataontsika hoe ilay animaux intellectuels olotsotra olo rehetrarehetra dia rehefa maromaro zany ranonaina zay fitenena anazy teny gasy fa maromaro ny ranonaina inona zavatra miseho miakatra ny hormone dia efa miakatra ny hormone eo agnatin'ny vatana agnatin'ny ragna dia lasa te hanao firaisana dia igny manko ilay bibilava amizay la bibilava zany tsy inona fa ny ra mikorina ao agnatin'ny veny rehetrarehetra ao miakatra miakatra midina miakatra midina ohatran'izy rehefa nifanena ny resaka Jehovah Elohim sy Satan miteny izy hoe taiza moa anao za avy mivezivezina kavaratra ka tsy miaka midina tany ambonin'ny tany dia hitanao ve la oloko antsoina hoe Job ao ambany ao tena fidèle tsara izy a vous voyez là on voit que le serpent miaka midina miodikodina voilà le sang donc qui circule dans notre corps miaka midina ambony amin'ny cerveau agny midina agny amin'ny sexe agny dia rehefa maro zany ranonaina ao mitombo zany envie sexuelle dia lasa miasa tsara ilay serpent satria mahazo sakafo misy rano ao fa ny olana zany rehefa tonga ilay bibilava manatona ny eva zavatra mila mazava amintsika koa zany manko eva zany a tsy hoe vehivavy ivelany io eva koa fitenena anazy adama lay fa dans l'ésotérisme zany amin'ilay tantara miafina resaintsika zay a adama zany cerveau eva zany les organes sexuels ka tonga ilay bibilava zany hoe zany tonga zany korian'ny raha igny zany a nakany amin'ny eva nakany amin'ny sexe vous voyez dia ny resaka amin'ny sexe zany nitondra ilay plaisir hitanao l'arbre de la connaissance du bien du mal ty tsy mahafaty fa mampalala io anao zao misy sensation mbola tsy hainao a fa amin'ny alalan'n'ity sexe eto afahanao mahita zay zavatra zay dia adama taiza amin'io adama tsy teo tamin'ny fotoana ny bibilava sy eva ny resaka inona dikan'izay rehefa tonga any amin'ny sexe zany ny ra ka migonfle le sexe manana envie sexuelle magnano sexe miactive activité sexuelle le cerveau est absent vous voyez adama tsy teo fa variana zany le sexe tamin'ny bibilava amin'ny resaka ny fanaovany amin'ny bibilava zany hoe zany le sensation azon'ny sexe à travers le sang qui s'accumule dans le sexe dia variana amin'igny sensation igny le sexe le cerveau ne peut pas agir le cerveau était absent tsy ny contrôle le sexe zany cerveau dia inona zavatra miseho teraka zay antsoina hoe orgasme l'orgasme entraîne l'éjaculation inona atao hoe éjaculation la fivoany la ranonaina avy eo agnatiny mivoaka voye dia rehefa mivoaka igny a tonga dia tampotra la volupté na hoe la eden na hoe la fafinaretana avo tampotra satria mivoaka la ranonaina tapotra igny zany la symbole hoe miala ato amin'ny edena anao satria nihinana la voankazo voarara dia lasa tsy sensation ny edenique na hoe sensation de volupté intsony ianao c'est ça le symbole hoe expulsé avy amin'ny edena zany adama sy eva pourquoi adama sy eva satria adama nihinana koa ka rehefa tonga orgasme manko sensation azony sexe igny a transmis au cerveau zay ilay hoe eva nanome any adama koa hoe adama écoute moi cette sensation c'est bon n'est ce pas oui volagniny adama zay iza moa ilay miteny c'est adama rehefa nahazo amza lay voankazo avy amin'ny eva parce que alohany anao iteny c'est le cerveau qui baiko la parole a vous voyez tout est là caché dans l'histoire de dame et eve dia expulsé moa rehefa expulsé ia la mort mazava ho azy jerevo ho an'olona miexperimente orgasme rehefa mivoaka ny ranonaina dia maty le sexe perd sa vigueur le corps est fatigué on a envie de dormir teatory c'est quoi c'est psyché natory après nivoaka le source re zavatra tsy tokony avoaka vous voyez tout est caché là ka inona zany la secret eh bien pour ne pas mourir pour avoir la vie éternelle il faut transmuter l'énergie sexuelle zay le hoe miady amin'ny fakapanahy zany hoe zany l'énergie agnatitsika ao ambony manosika énergie n'ilay bibilava manosiky fa mila miady amin'igny zany atsika on transmute au lieu de laisser l'énergie sortir dehors on va retourner l'énergie
à l'intérieur, à travers la transmutation de l'énergie sexuelle. Dans la gnose, on apprend, il y a des techniques comment faire. Ça, mes amis, le secret, c'est introduire le phallus dans le vagin et se retirer sans répandre le sperme. Voilà le secret de tous les secrets, le secret de tous les pouvoirs, le secret de la vie éternelle. C'est ça la croix itatique en pharmacie ring. L'homme, le trait vertical, la femme, trait horizontal, forme la croix. Donc l'union de l'homme et de la femme, la croix. Et à l'intérieur de cette union de l'homme et de la femme, la coupe, c'est-à-dire le contenant de, du sperme, n'est pas renversé. Sanganatsaram coupe. De ingno afan le biblavam sutrano anatin le coupe, mteraka fasalamana watsik. Itatsiki sanandro, voka information, personne. Comme on n'a pas les clés pour coder, pour décoder, eh bien, mandal, faut un simbrisakam tsika in symbole. Fawan ze malala, mirisakam ning zavatre. Andwan zon avoma numbuk malala mze. Tsava kintenu ya, zamok tsina fanta taka. Satifa. Efa nahalala zany anareo androany. Zay zany ny mikasika an'igny. De à travers ny soratra masina zany amin'ny kristianisma no hoentintsika hanazava zay feu de la tentation zay androany. Satria moko manino moa hoe mise focaliser plus amin'ny kristianisma antsika mety misy resaka bouddhiste koa rehefa avy eo vitsivitsy ihany. Parce que antsika amin'ny pays à majorité chrétien. Zay fotsiny. Fa raha tsika zao tamin'ny pays musulman afaka naka tsika si verset dans citation avec un courant sans problème pour parler de la même chose. Donc, au Luc 12 verset 49. Ntenizwe, je suis venu apporter du feu sur la terre. Supposez-vous que je suis venu apporter la paix sur la terre? Je vous le dis non, mais plutôt la division. Et c'est de la bouche du maître Aberramento. Maître Aberramento, c'est le maître Jésus. Je ne sais pas si c'est Jésus. Il y a un nom qui est Aberramento. Aberramento. C'est le nom de son être. Je suis venu apporter du feu sur la terre aussi. Tem imaginez que em Jesus foi um rafo beza ni muito não bonito tá nem quando o nani ala richarich desemite zenga mo matunga malagats lá sa campeão do mundo é um quando o nani ala se tiver zemo que vovô tá tatué lá sa número um mundial am dur tá nem tetsica bom pode dizer bom é a causa de Jesus se tiver ele nos a ensiné para através desse verset tá vendo ele aporté o fogo donc nós aportamos o fogo aussi sur la terre. Vous voyez, littéralement. Mais ce n'est pas ça. Je suis venu apporter du feu sur la terre. Mais il y a des gens qui ont dit que la terre est une terre. Le corps physique, c'est la terre. C'est la terre. C'est-à-dire que la terre est une terre. Poussière, la terre. Donc, le Christ est venu sur la terre pour apporter le feu. Niaf. Des missionnaires, nan witatsika rehefa avy eo, Lucifer, le porteur de lumière, Luciferi. Luci veut dire lumière. Feri veut dire porteur. Et là, le Christ, il dit, je suis venu apporter du feu sur la terre. La lumière vient d'où? Ahoana moa te ho isy hazavana dia mandrehitra afo. Donc, le mpitondra hazavana tsy iza fa mpitondra afo ihany koa. Là, nous voyons que Jésus, si on change la façon de dire cette phrase, il nous a dit, je suis venu apporter du feu sur la terre, ça veut dire, je suis Lucifer. Oui. Je suis celui qui apporte la lumière. Je suis Lucifer. Faimou les favoritos comme Azava bébé ou comme casque Lucifer, ils amarnent. Lucifer avait à Vesa Yutenio. Ça tient, brise la tentation antique.
de miresaka mikasika Lucifera koa, mazava ho azy. Donc, le Christ, c'est Lucifer. Et Lucifer apporte le feu. Le Christ apporte le feu sur la terre. Pourquoi il apporte le feu sur la terre? Zele fontanien, il nous entend. Yo af, yo zane azetvet, mais af physique, af de la tentation ou etzikatioui. Supposez-vous que je suis venu apporter la paix oui, sur la terre? Oui, il tundra fa filaminan. Non. Je vous le dis, non, oui, mais plutôt la division. En psaraka. Zen yantun fatunga van le af tetu. En psaraka yin. C'est ça, Fontanien. Ça nous est année. En psaraka ni voix fide, sin si voix fide. Parce que les fois, tunga le af, tunga le tentation, tunga le fakapanai. Mais si ça vous en tranga. Nano. Ni triomphé, am le fankapanay de niakatra spirituellement. Nano succombé à la tentation, resin le fankapanay de nidna. La tsakamban, zeyan résultat. Voilà la division. Donc tiafaka wis ze fisarana ze na division ze, ratite ou le afu na nasaraka. Vous voyez? Wan ze condamné zanya ni afu mandouroise. Fa wan ze. Mahe miasa miaraka amin'izay afo zay a lasa fanazavana ny fiainany le afo. Vous voyez? Voilà la division que le Christ est venu faire sur la terre. Et ça, c'est un combat. C'est pour ça izy miteny hoe je suis pas venu apporter la paix. Tsy ny filaminana hoe tranquillité de igny fa anjely jiaby mihirahira de anao mieno eo. Tsy zay natongavan'i Kristy. Christi tunga pour diviser le bien et le mal. Fa amnela la niaf. Mazava ze, hein? De omni 1 Corinthiens 6. Le maître Paul, nawe Hilarius 9, nawe Hilarion 9. Ntenizwe. Ne savez-vous pas que les injustes ne participeront pas au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les prostituées, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les abuseurs, ni les extorqueurs ne participeront pas au royaume de Dieu. Vous voyez? Donc, pour participer au royaume de Dieu, donc ceux qui seront élus, qui vont entrer, oui, yiditra, ou en fanzakan lantra, en fanzakan andriamantra, dire, mis condition lou, amnela la niaf, de aonam zezani, le tstafidra, iz le azaven polit. Les fornicateurs, oui, tstafidra. Pourquoi les fornicateurs tstafidra? Parce que les fornicateurs, ce sont ceux qui succombent à la tentation sexuelle. Les ténèbres fornication, zan, me dit que oui, expulser le sémen. Naoui, renverser le vase d'Hermès. Car dans l'union sexuelle, zanetika, entre hommes et femmes, car ni vokan sperme, ni atteindre orgasme, na laï na vavio, hein, c'est-à-dire vivav mis sperme, koné, mis sémen, kofa, ou anatneo. Tchotan lilam vokai velanita bit. Quand vokazan, ni atteindre orgasme, ni couple, na l'homme, na la femme, dire, c'est ce qu'on appelle forniquer. C'est ça la fornication. Donc les fornicateurs, ça nous dit, les oula, mamela, nranene, ivoka, dire, si mérité, si participer à mi, royaume de Dieu, si participer à mi, fanzakan endremad. C'est très clair. Arnaton volou en mitz. Parce que c'est la base. Les idolâtres, dites-nous, idolâtres, d'ailleurs, manoupu sans moque fivlanga tskizam gaz, en réalité, manoupu zavatrafa autre que le Dieu intérieur profond. Zavet en tika diab, manga etratika, is nous tukuni, adoretika. Faratika, mametaka zavatrafa, ampuvotika, entratika, si andiamantro anatika, zenan sunawe idolâtre. Par exemple,
Où les gens, des millions de gens, m'y adorer Jésus, sa personnalité. Vous voyez? Donc, ces gens-là mettent Jésus entre eux, c'est l'être nous. Vous voyez? C'est une idole, c'est de l'idolâtrie. Mais si image mentale, ça n'a pas été comme qu'un Jésus. Si ce m'a fait entrer en Jésus, n'a rien à zané ce diable. Si ce n'a pas été, n'a rien à face à face, n'a rien à zané. Dans les mondes internes. Fait diable, minou, arma, mettre comme fienani, am Jésus, faut y sauver. Ça, c'est de l'idolâtrie. Vous voyez? Quels que soient les individus, mis homme ou mis mouvement gnostique, mis sous le sas, ça m'a mis à la ni papi à la crée. Vous voyez? Ça, c'est de l'idolâtrie. Ça tient à dire non, ni un diamant trop en atteint non, c'est un ténium non, à mon premier commandement, t'en es, si un nom pour un diamant kafa non, n'a ni un dante, n'a yé ton tan, n'a un rano, à fa mouette za, à t'y sculpter za, va t'y a mettre que ça, va t'y a, en pouvoir si, si un non. Vous voyez? Quand il y a des théories, des dogmes, ou des choses, des choses, des choses, des idolâtres, des manoupsapes. Tu sais que si tu fais mettre Sarine Massine Marie à un hôtel, tu es manoupsapes. Non, ce n'est pas ça, manoupsapes. C'est juste canaliser de l'énergie pour avoir de la concentration, pour magnétiser un lieu. C'est la véritable idolâtrie, c'est ce qu'ils avaient comme la rose. Mais il faut mis zavatra zany ananakinanareo fiainananareo ka mihoatra ny fanakinanareo fiainanareo amin'ny Andriamanitra izay ao anatinareo ao izay ny poiranareo raha tsisy ho Andriamanitra io tsy afaka teto antsika tsirairay aby io. Donc les idolâtres n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ninoninona io volanko na théorie na fomba fieritreretina n'importe quoi ka anankinanao fiainananao mihoatra ny Andriamanitra anao ao anatinao a c'est ça l'idolâtrie. Ni les adultères. Il y a un adultère. L'adultère, c'est Fidzanga Zangan. C'est ça l'adultère. Ça veut dire que l'on a un contact sexuel, na adultère. C'est-à-dire que quand tu dis que l'union sexuelle, il y a un adultère. Non. Le fait que l'on a un bad, ça, c'est déjà de l'adultère. Tu as déjà commis l'adultère en pensée. Vous voyez, il te fait sortir bien, il te fait faire un lantre. Ni les prostituées. Les prostituées, les. Une fténase. Hein? Pvartine, voilà. Ça tient manine, ça tient les pvartine, mais mélanger énergie, tout va venir. Adultère, moi, il faut m'en embad. Faut prostituer, il faut m'en embad, il prostitue. Vous voyez? Ni les homosexuels. Parce que les homosexuels, les prostituées, les adultères, les fornicateurs, les idolâtres font partie du royaume de Satan, l'opposé de Dieu. Les homosexuels. En parlant des homosexuels, mais ça va être ça en akouit. Adam azani en Bible, il était tiré dans la Eve. Tere na fantatra ni Eve, Adam denteraka Eve. Eve non teraka fatia Adam. Eve non teraka kena si Abel. Mit gagende tsika ba ino zefa vakio ny beboly. Adama tsy niteraka ny Kaina sy Abel fa Eva no niteraka Kaina sy Abel. Fa Adama nafantatra ny Eva zany hoe nisy rapport sexuel, union sexuelle entre Adam et Eve de teraka Kaina sy Abel. Zanaky Eve. Misy zavatra miafina amin'izay. De rehefa nihinana voankazo voarara zany izy ohatran'izay de rehefa nivonony ny vonoany kena zany i Abel de tafarany iny zany izay tsy misoratra amin'ny baiboly fa misoratra amin'ny zoara zoara zany izy livre ahafahantsika mikomprendre izay symbole miafina dans la bible io lasa nanambady vehivavy anankiroa hafa i Adama antsoina hoe Lilith sy Nahima ka Lilith zany a izy no reniny homosexuel sy fornicateur. Ce sont des étapes psychologiques que le cerveau Adam a adoptées. Réfan fornic, zan cerveau, ce sexe, n'a moqué l'énergie sexuelle, Adam a zan l'assanis psychologie en akroa. Psychologie de Lilith, c'est psychologie de Naïma.
Psychologie de limite, il y a violences sexuelles, avortement, homosexualité, lesbianisme. Ça, c'est la psychologie de l'élite. Ni fumbof senen ring retravitrien, c'est l'élite. Naïmandre, l'ingresque prostituée, l'adultère, le sexe, autrement sexe luxe, le plaisir sexuel. Vous voyez, ça c'est Naïma, les tsaradzirine. Ingle, oui, tonton sol a succombé à mni sipakil. Naoué, maman sauce a succombé à bande beau gosse. Vous voyez, ça c'est Naïma. Lilith Ndeya, règne avortement ou avortement. Homosexualité, lesbianisme, zoophilie. Ça tient au fur et à mesure où les houles en fornique. Arzing, les gens peuvent vérifier ça par eux-mêmes, ceux qui forniquent. Plus on forniquait dans les houles, plus mes sperme en vogue dans les couples, plus mes amies dans les fitiavana dans les couples. Des femmes miennes infitiavani, ça tient manine, ça tient comment s'impéta comme am cerveau ni zoua. Les oui tu m'as fait poutsoun les sensations azu des manoum qu'on basculer en sphère de naïma en psychologie ndo ça nous a manoum que là ça mano adultère vous voyez na laï na vavio hein manoum que mano adultère des tchatchaning sphère de naïma ils hein des à la fin effet si effet là ça femme mano adultère ils effet dire une sensation d'adultère et effet tu m'as fait pour azu tsoun quoi. De là, ça m'a sphère de l'élite, de là, ça m'a expérimenté l'homosexualité, m'a expérimenté le lesbianisme. Et à la fin, autant tout yanisme, dégénérescence, à la fin, se termine par zoophilie. Ça veut dire zoophilie, ça n'a pas dans la Bible. Vous voyez? Ça tient manin, n'est-ce pas, nous comprenons la Bible, ça tient, et fa, stoumle, enferni, désintégration en banane, ça tient les. Et fa bib zany izay fa miaraka amin'ny biby tsony. Amin'ny vatana humanoïde izy fa biby izy agnatiny ao de lasa zoophile izy. Vous voyez? C'est ça l'effet de la dégénérescence sexuelle na hoe misucomber amin'ny feu de la tentation zay. Rehefa avela fotsiny miamidina 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 anao. Fa rehefa mitransmute ndray antsika contraire an'izy rehetrarehetra rehetra de miamiakatra antsika manatona an'Andriamanitra. Mais tout est dans le feu, arakaraka ny fampiasantsika io afo io ihany. Les voleurs, les cupides, les ivrognes, les abuseurs, les extorqueurs, ils ont des risques monétaires, si alcool, ainsi de suite. Donc voilà donc le Christ. Le Christ est venu pour faire la division, séparer. Il m'a fait la grande grâce. Sarah n'a ni parfait si. Voilà. C'est ça le rôle du Christ. C'est ce feu que le Christ a apporté. Aux Corinthiens, 1 Corinthiens 10. Nous ne devrions pas convoiter les mauvaises choses. Ne soyez pas non plus idolâtres. Nous ne devons pas non plus commettre de fornication. Ils avaient fait ça en telle voiture. Nous ne devons pas non plus exiger des preuves du Christ, ni nous plaindre. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu est fidèle, il ne vous laissera pas être tenté. Et nous savons les phrases, hein? Il ne vous laissera pas être tenté au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais avec la tentation, vous fera aussi un moyen de vous échapper afin que vous puissiez le supporter. Vous voyez? Donc Dieu tiendra maintenant nous tenter à tirer. Faire maintenant si ma mélatique en a une tentation. Rati, ma mélatique comme moyen y a la tique comme des tentations. Bah, fatigue comme supporter ces tentations. T'as dit, vous avez si tentation, tungam tika, fakapanaï, tungam tika, kat tzaka tika zan. Fama tua tzaka tika, les tentations, ça tia dim tika, n retika ou anat tika. Fan retika, c'est un diamant ou anat tika ou, si ma mela tika, me succombe la tentation, zeya. Fa, avel nous ouïs les tentations,
Satria, tiny atsika hiakatra anatiny azy. Ka en même temps, omeny zavatra fa atsika misupporter izay tentation izay. Médite tsara io phrase io satria matetiky hoe Andriamanitra fa maninona za ohatran'izao foana za e karaha efa un bon gnostique isaky ny sabotsy atao conférence dia efa mba miezaka mano méditation na dia mitabatava aza la musique salegy ambadika ao dia ohatrany tsisy zavatra misokatra ny fiainako fa za mijaly foana. Vous voyez, ça c'est se plaindre. Matoua mis épreuve andalouvatsika, c'est parce que mis zavatra, mis partin fangay tsika, tini andiamantra tsika sukafana. Fa tsika tsimayem djeri, sa tsimayem yenu. C'est le problème tsika. Fa refa mis épreuve, médite. Djeri voye, pourquoi? Inna zavatra tukunu comprendre av tsika omning zavatra. Satria raha tsy jerentsika izay fototra izay a miverina foana io tentation io na miverina foana io épreuve io. Les tentations teto taloha teo tsika miresaka sexuelle ihany les tentations. Fa tentation ce sont toutes les épreuves. Toutes les épreuves izay andalovantsika amin'ny fiainana. Afo regny mba hahafahantsika miakatra. Ka rappelez-vous de votre Dieu intérieur profond à chaque moment où vous êtes soumis à la tentation. Parce que quand vous vous rappelez de votre être, vous êtes à l'écoute. Vous êtes en train de le regarder, vous êtes en train de diriger votre conscience vers lui. Et lui, de l'intérieur de vous, vous conseillera, vous aidera, vous donnera de la force afin de surmonter les tentations. Fatsar mis tentation ne dure éternellement. Enfin, il faut de la force pour surmonter la tentation, c'est-à-dire la force de l'esprit, la force de la conscience. Ary izay forcé tsy ho azontsika rehefa tsy connecté amin'ny etratsika atsika. Satria raha ohatra idolatra izany atsika connecté amin'ny zavatra hafa ny mentalitsika dia on succombe à la tentation, mazava ho azy. Vous voyez, ce sont des choses très subtiles psychologiques à l'intérieur de nous. Donc raha te hiditra amin'izay fanjakan'ny lanitra izany atsika, mila mahafantatra ny tenatsika atsika. Comment fonctionne notre psychologie? Inona ny zavatra mitenté atsika amin'ny fiainana? De comment nous succombons? De pourquoi nous succombons à la tentation? De yozani en méditation et tatsika mzeni, l'être tatsika nous conseillera à faire comment ne pas succomber à la tentation. Voici, je t'ai raffiné, mais pas avec de l'argent. Je t'ai choisi dans la fournaise de la souffrance. Vous voyez? La fournaise de la souffrance. Amniaf. Ah, fompijaliana. Ô nony fidianako anao izy. Ô amin'ny Ésaïe 48 verset 10 misy an'izay. Les fournaises de la souffrance zany, c'est écrit en hébreu et en baret court. Le mamaky an'io avec avanana. Ma de à gauche, de droite à gauche zany en hébreu efa manoratra court. Fournaise de la souffrance. Dito atsika mahita le Saint-Esprit, symbole du Saint-Esprit donc, qui, avec son marteau de la volonté, va tailler donc des pierres, des métaux précieux à partir de l'afosa. Entre l'enclume et le marteau, on a fait conscience de travailler là, ça, mon ami, vertu tsara, à travers les épreuves. Les épreuves, c'est le feu. Amin'ny alalan'ny afo no afahantsika manefy ilay épée tsika, épée flamigère fitenena anazy, la kundalini. Ao no afahantsika mi-s'exercer. Dia amin'ny ilany a gauche ataontsika misy sary anankiray eto a. Nous voyons Adam avec Prométhée miaraka misy déesse ry ambony ary. Prométhée zany ça c'est Lucifer de latin. Prométhée is pour les Grecs. De Prométhée zany no nanamboatra ny Adama, nanamboatra ny olona. Ka rehefa vitany zany izy a nomeny hazavana, igny le afo igny, afo igny zany namelomany azy rehefa velona izy a. Ny teny amin'izay izy amin'ireny Andriamanitra rehetrarehetra ambony eo, sary ty zany extrait fotsiny fa zao tableau ngezabe zao a, misy divinité maromaro zany ao. De ny teny zany Prométhée tamin'ny divinité namany sasany hoe omeo qualitenareo ty olona namboariko ty mba hahafahany hitondra izay qualité izay agny ambany amin'ny tany misy azy agny. De isaky ny Andriamanitra tsirairay zany naka io ny partin'ny qualité nananany tao a nomenany Adama. Zany hoe zany ao anatin'ny Adama zany a
misy qualité n'andriamanitra rehetra rehetra. Voilà les archétypes, zay resahantsika isan'andro. Donc chaque logos, chaque divinité, chaque Elohim met une partie de lui qu'on appelle les leur héritage à l'intérieur d'Adam. Zany hoe zany antsika jiaby io aty ambany aty antsika manana être antsika, notre Dieu intérieur profond. Fa ny qualité rehetra rehetra nagnany être rehetra rehetra dia ao agnatiny être antsika ao koa. Vous voyez? Et notre être aussi a mis sa qualité à l'intérieur des autres êtres. Vous voyez? Zeza matunga bo refa no zavatra ndeha isika anao ohatran'izany izy miteny. Parce qu'ils sont tous pareils. Vous voyez? Des années mythologie grecque que vous pouvez approfondir. Satria mitsika to fomba fampianarantsika mba aroko tsara mazava mila autonome. Ny fomba fampianarantsika zany mba ampa autonome olona tsirairay. Aty zany c'est un centre où on peut se rencontrer, faire des conférences, faire des pratiques. Fa agny an-tragno no tegna miasa. Satria agny an-tragno antsika être antsika malala hoe ina épreuve ampandalovina antsika tsirairay avy. Comprenez? Zay zany zavatra mila mazava amintsika dès le début. Sinon lasa idolâtre antsika. Mety hoe andao ndray ieno an'ilay mpampianatra, ina ndray tenenin'ilay mpampianatra. Dia adininao fa ilay tena mpampianatra mahay indrindra, mihoatra ny mpampianatra rehetrarehetra, dia tsy iza fa ilay mpampianatra ao anatinao, zay renao, zay miafina ao anatinao. Ny zavatra ianarantsika ity zany a, ahafahantsika mahatsapa an'izay fisian'Andriamanitra ao anatintsika zay a, dia mampianatra antsika ahoana ary no hiconnectegnantsika amin'ny maha conscience antsika amin'izay Andriamanitra ao anatintsika zay. Tapitra eo ny andraikitry ny mpampianatra ity. Fa ny zavatra ianaranao dans l'initiation rehetrarehetra dia ny etranao no mamoaka azy aminao. Zay zany zavatra tsara mazava. Ao amin'ny Jacques, Jacques 1, verset 12-13, miteny hoe béni soit celui qui supporte la tentation, car une fois éprouvé, il recevra la couronne de vie. La couronne de vie, donc c'est Keter Okma Bina, sur l'arbre de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne ne dise, quand il est tenté, « Je suis tenté par Dieu », car Dieu ne peut être tenté par le mal, ni tenter qui que ce soit. Mais chacun est tenté quand il est attiré par sa propre luxure. Alors, quand la luxure a été conçue, elle engendre le péché. Et le péché, une fois terminé, engendre la mort. Vous voyez, la source de tout, c'est la tentation. Et ce n'est pas Dieu qui tente, mais Dieu laisse la tentation se faire. Tadabou misy zavatra na koa samihafa eto. Tsy Andriamanitra no maka fanahy, fa Andriamanitra no mamela ny fakampanahy ho izy. Ary eto zao amin'ny sary eto miillustre izy tsara ty le resaka ny resahantsika taloha teo. Voilà, donc Dieu, symbole de Dieu ry ambony ry a, et avec Satan donc ambany ato. Tanao anjely avec elatra mainty io zany. De miresaka rô. De izy miteny hoe avy niaka midina tany ambony ny tany za de zao. De hitanao ve ho izy ny mpanompo ahy izay fidèle, juste, antsoina hoe Job, hitako izy. Fa zone ho izy noho ny anao miaro izy ihany anie mahatonga izy zavatra jiaby ny amin'ny asan'ny tagnany avelanao iroborobo, ny famboleny, ny fiompiana, ny vady aman-janany, raha jiaby aminany se prospere. Zay ny mahatonga izy fidèle aminao io, fa esory aminy manko io. Ho hitanao izy fa ho peny eo ampovoan'ny tavanao anao izy. Ay, volagniny Dieu. Ndao ary, avelako aminao izy. Fa ny hainy fotsiny no tsy azonao kasina. Ok, volagnin'ny Satan, de nidina Satan. De ny sorin'ny Satan amizay zany ny zavatra rehetra taminy. Fa ny resté fidèle ihany Job. Pourquoi izy ny resté fidèle? Satria tsy nametraka ny fanantenany amin'ny fananany na amin'ny lafamia na amin'ny zanaka na amin'ny vady na amin'ny ninininina, fa nametraka ny fanantenany sy ny finoany amin'ny reny izay ao anatiny ao. Donc Job zany tsy idolâtre. Il a respecté le commandement, tu aimeras ton Dieu
par-dessus toute chose et ton prochain comme toi-même. Ça tient au natinu ou la quelque noyau, mis Dieu ko au natinu. Donc, voluni commandement, ti avno amni sain norite, en fou norite, amnir norite. Voilà les trois cerveaux. Yendre mantro ou natno. Ari ou ti avno otan fi avno tena nozeya, ni fi avno namano e quelque noyau. Ça tient manine, ça tient namano yua, mis yendre manen ko au natinu. Vous voyez? Et là, il fait ni sourd ni Satan, Zavatariet à travers la tentation et épreuve Vatariet, de me la rester fidèle, Yann. Et Job. Dès que Zavatariet a un job, il m'a fait la nuit, il m'a gas. Nu, nu. Bouridana, ya. Ni bouridana zao, ni voka to am ki bun renko, mi bouridana zao, mi verna o am ni ki bun renko. Vous avez vu un bouquin de job pour vous faire un zéro. Vous avez imaginé que vous avez bourri de les invoques, c'est ça qu'il invoque. Bourri de. Vous avez court-circuité, vous avez un intellect, vous avez un cousin bourri de vivre dans la tête qui est bon. C'est en rapport avec la mère divine. Je n'avais rien quand je suis sorti à travers la mère divine pour aller dans le monde physique. Et je n'aurai rien si je rentre dans les mondes internes à travers ma mère divine. Pour dire quoi? Tout est mère divine. Dieu se manifeste à travers la mère divine. Donc mettons notre confiance, suivant l'exemple de Job, entière confiance à la mère divine qui est une partie de l'être. Parce que si Atsikazozo Salamatsara Tungayeto a mis une conférence, c'est grâce à la mère divine que chacun de nous avons. Ils nous caracara cellule scaritariatu matunga cellule tika salam. Vous voyez? Anarozo afaka mirtir satia mer divine man menaro nan man menaro sena afaka mirtir. Afaka manana émotion tika parce que c'est la mer divine qui nous permet d'avoir des émotions. Vous voyez l'importance de la mer divine? Dieu se manifeste à travers la mer divine. Donc la mère divine est très importante. N'oublions pas la mère divine. Alors la mère divine, c'est transmuter l'énergie sexuelle, renforcer la mère divine. C'est ce qu'on appelle l'éveil de la kundalini, nyakataïs. Des mères divines, nous, nyakata amning biblave. Des biblave nyakat. Mystère, c'est nyafna bea, ou enaro petit à petit, à travers conférences vétérinaires, vous avez dit que vous avez dit que vous avez Farati id detayam zenavo et nous une conférence sur Samael le cinquième ange. C'était un grand fête en Samael manko. Les conférences se fanato tsikarin sa verin tsikatsunia, fa mis conférence en nous conférence vietam kaskanze manazava la labim kaskanze zavata ze. Donc tenter à tsika oui sa tsika attiré par notre propre luxure. Vous voyez la luxure, c'est ça. La luxure, on va compter une gasse. Si vous savez, on va faire ça. Mais si vous avez résolu d'une manière disso, en psychatise, en gasse, c'était à Madagascar. Luxure, on va faire ça, on va faire luxe. Non, ce n'est pas ça la luxure. La luxure, c'est le besoin, l'envie d'avoir des sensations sexuelles tout le temps. C'est ça la luxure. Vous m'avez dit que vous avez un sexe opposé, vous avez fait un sexe. Vous avez un vario, vous avez un sexe. Tout le temps sexe dans la tête. Et si vous avez un sexe, vous avez un sexe. Si vous avez un sexe, vous avez un sexe qui se transmute. Ça veut dire qu'on va se transmuter, on va se dégénérer. Vous voyez, c'est l'importance de la transmutation. Il y a un narratif qui est pranayama, il y a un narratif qui est célibataire, il y a un narratif qui est alchimie, il y a un narratif qui est en couple. Il y a un narratif qui est en mental, il sait ce que l'apôtre Jacques dit, attiré par sa propre luxure. Ça veut dire, les satans à l'intérieur de l'éthique, l'ego, mais quitte qu'une luxure. De ma tête, comme à Madagascar, surtout, il y a des étudiants qui disent « Ah, mais je ne sais pas, 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 je ne sais pas. »
tsisy fanafody voanao zany a raha tsisy demony mifanaraka amin'igny fanafody igny ao agnatinao ao. Soyons clairs là-dessus. Magnino ma maître Jésus tsy vitan'olo mamoriky izy na je sais pas quoi. Parce qu'il n'a pas d'ego à l'intérieur de lui. Ma tout l'anakre ma vita manao ratsy anao satria misy particule misy atome n'igny zavatra igny aminao ao de kitiny à travers ni magie ataony eto voakitika le zavatra ao anatinao igny. De igny zavatra voakitika ao anatinao igny igny no mitondra anao amin'ny zavatra tiana vina. Par exemple, quelqu'un de luxurieux, misy atome de luxure ao aminy, misy atome de luxure ao amin'ny mentaliny, misy atome de luxure ao amin'ny cœurany, misy atome de luxure ao amin'ny sexiny. De afaka resiko na ema sipa mahafinaritra ameko mini jupe eo magnoitrongitro devant izy eo de tonga de mitsangana ny filahiny il pense à faire une activité sexuelle. Vous voyez? Misy sasany tellement luxure any ambony resiko kofafa atao eo a asiana la jupe tonga de mitsangana ny filahiny. Vous voyez? Alors Les coufafa tsy zany, coufafa eny. Ya. Fa ny luxuranao anatinao no mitondranao. Donc raha misy zavatra ratsy zany hoe manjoa antsika azany hoe satria manko zao. Non, satria anao. Donc avant de chercher les coupables à l'extérieur, cherchons les coupables à l'intérieur de nous. Ils sont là, dans notre cerveau, dans notre émotion, dans notre cœur et dans notre sexe. Voilà les trois cerveaux. C'est là que se trouve la tentation, dans les trois cerveaux. Dès une fois, il y a une tentation, conçue, une vomboite, une luxure, une tentation. C'est-à-dire succomber à la tentation. Dès que vous succombez à la tentation, une tentation, une tentation, vous faites ça dans cette ville. Vous faites ça dans la ville. Là, c'est ce pouvoir. C'est ce pouvoir psychique. Dès que vous avez un mandat, vous faites ça. C'était faible. C'était cette présence de Dieu. C'est-à-dire la Shekinah, non, la mère divine. La mère divine, tu as cette défense. C'était Zadim, la mère divine. C'est elle qui écrase la tête du serpent. Les serpents mandat d'yambani en foutaka. Ah, fa les serpents miakata. Fa les serpents mandat d'yam foutaka. C'est Satan, c'est en tsunawe ego, les défauts psychologiques. C'est la mère divine qui écrase la tête du serpent. Donc, raha ohatra la mère divine tsy mitazona anao mitanany, da anao zany tsy akaikiny anao. Zay le sarin'i Jésus kely hitantsika tazominy ohatran'izao igny. Ça, c'est la conscience que la mère divine porte. Si la conscience n'est pas avec la mère divine, si la conscience oublie la mère divine, alors le serpent va piquer la conscience. Vous voyez? C'est ça. Donc, rappelons-nous de Dieu. Mais famteny Dieu, tsika sa Dieu déesse, zay aza dino zay. Dieu est masculin et féminin à la fois. Fatsy ohatra teneny sasa va Dieu masculin. Non. Dieu est Elohim. El Elohim. Dieu déesse au pluriel. Voilà donc la tentation. Des parlons maintenant de Lucifer. C'était avant mais non zay fotsiny sasa tonga defa koditra ento aura tongotra. La vie rinna koa zavatra resana zany hoe tegna satanique mihitsy olona mampianatra zany angamba fa ahoana hoe Jésus hono nataony fa Lucifer koa satria nohony tsy fahalalana manko mahatonga olona mieritreritra an'izay fa Lucifer ty zao carte misy ty antsoina hoe carte du tarot numéro 15 carte du tarot io zany a il y a 78 cartes 22 cartes majeures 56 cartes mineures les 22 majeures io zany a mi résumé le chemin initiatique. Ça nous dans les lalanes et andalouvan les initiations rétrarita zanya, on nous bouquant voulouni, katran farani, connaissance rétrarita m'kaskanze, ou en atin ro kartro. Nato sous forme un symbole, faro symbole vo, maka yu anakre yu fousinatika, nata conférence arrive vitatika voka avem lazo. Fatsiket m'a gazave une partie yan, zé azoutika tatani, azoutika zavena. Donc, ça c'est 15e carte du tarot. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est la passion. Nous allons véhiculer des atmosphères psychologiques et spirituelles. Là, nous voyons un androgyne, ça de là, il nous va viser.
mitazona bibilava amin'ny tanany ankavanana dia lohany bélier lohany. Ça, c'est Lucifer. C'est la tentation, celui qui apporte le feu. Lucifer, zany, dikany le teny hoe Lucifer, avy amin'ny teny latiny izy ho antsika taloha teo, verintsika indray a, porteur de lumière. Izy zany mitondra le hazavana. Izy le hitantsika tamin'ny sary teo, Prométhée ho antsika teo aloha io. Io symbole-n'i Prométhée, io zany, c'est la même chose que Lucifer. C'est lui qui apporte la lumière. Raha tsisy zany Lucifer, amin'ny vatanantsika araka nilazaintsika teo a, êtretsika zany misy différentes parties. Agnisan'ny partie ny êtretsika zany Lucifer. Samihafa Satan sy Lucifer. Zay zany zavatra mila mazava zay. Satan, c'est l'ego. L'ego, ce sont les défauts psychologiques. Ce sont les sept péchés capitaux ténénini. Christianisme, hein? La luxure, la paresse, la gourmandise, la colère, l'envie. Misy fitro, hein? Etc. Et Rofitu nous base, fa, combinaison d'eau, mangamia, des milliards et des milliards d'ego. Voilà Satan. Satan qui veut dire l'adversaire. Et donc, Shatan, Shetan. L'adversaire. Shetuan, vlangro, arabe, Shetuan. Les démons rouges de Seth pour les Égyptiens. Voilà Satan. Voilà l'ego. Lucifer est autre chose. Lucifer est une partie de notre être. Authentication de la mère divine qui est une partie de notre être. Les 12 apôtres sont des parties de notre être. Les 3 amen sont des parties de notre être. Ainsi de suite. Marbe, partie de notre être. Lucifer. Lucifer est une partie de notre être. C'est un recte qui est une azavana. C'est une azavana. Fait nous, nous avons succombé à la tentation. Nous, nous ego. De Lucifer là ça menti, hésitez que tu menti, menti tu veux que ouais menti ou d'autre, non, menti dans le sens où tu invoques à van, femme kumbuna, nous ni défaut psychologique tika, enfin Lucifer comme il est le porteur de lumière il va mira pivot, dès maintenant Lucifer nous anzel faranzel, va mira pivot à ta niandante de là ça lave, là ça déchuse en tombé, nous ni ça pied tika tomber dans la dégénérescence, dans la génération animale, de là ça, là ça m'y a menti, zané, Lucifer a tika verni azavan. À cause de l'ego, de notre ego, mais Lucifer, en tant que partie ni être tika, m'a mis rapide. Isni, partie ni être tika farani ambun. Va vomia la mia absolue, tunga mia insof. Or, c'est ça Lucifer, c'est ça le Christ. Famille d'ambanatis anis lasa ni ego atia de lasa mentis. Vous voyez? Ka Lucifer zany en partie ni etratsika zany andrekina izy le matonga ni lelay afaka mienjana ny filahiny ni vehivavy afaka mando mba afany union sexuelle. Raha tsisy zany Lucifer tsy possible union sexuelle physique. Impossible. Donc c'est grâce à Lucifer que possible ni formation de la croix. C'est-à-dire l'union de l'homme et de la femme. C'est ça le rôle de Lucifer. Il apporte, il emmène la lumière dans ce feu de la tentation. Mais comme nous avons Satan, l'ego à l'intérieur de nous, nous succombons. Zematungatsika lave. Enfin, si nous triomphons contre la tentation, eh bien nous allons monter. Lucifer a un tuatra. Un tuatra. Ratis les escaliers qu'on a couru autant zoa, des missi marche. Ing marche, ils ont résisté mnoa, c'est les tentations, c'est les épreuves. Lucifer zane, ma mère kani, ano man nitsa kaz, miakat. Ing a fano miakat. Ratis Lucifer tsa faka miakat ano. Fa matet kizan Lucifer andeya, lasa, mitunda zala midna, parce que Lucifer a iré ruao, nous, partie ni être tika, tsy miala tika mitsy nezaneza misy tika. Na de faranze am demon farany ambany any tika, Lucifer est le seul, la seule partie de notre être qui est toujours avec nous. Satria, rehefa décidé tsika fa hiakatra amizay, io ary zao izy tsao. Tsao zao, afahanao miakatra. Ka ton partie ni être sasany tellement beau, am partie ambony any, vao tsy afaka midina ambany aty. Zay mahatonga antsika zao misy vertu qualité ny etratsika tsy fantatratsika mihitsy.
parce que totalement endormi hein, quelque part, hein, connecté un petit peu. Vous voyez? Mais Lucifer, quel que soit notre niveau, Lucifer est toujours là. Parce que quel que soit notre niveau, Lucifer est l'échelle qui nous permet de monter. C'est un pas important, Lucifer. Donc, Mazavatsar, à partir d'aujourd'hui, Afani Satan, Afani Lucifer. Il n'a pas de confusion. Parce que, il n'a pas de diable, mais tu fais Lucifer égale Satan. Eh bien, tu te gagnes. Tu as loué Tangzan. Tu as une église primitive. Hein? Des fous, tu as fait un pape, tu as Lucifer. Il y a un pape, il y a toujours le pape François, Jean-Paul II. Tu as loué Tangzan, anarana o menaz fomba fitenena anazy zany lay Lucifer lay papy ho antsika zao a lay Lucifer fitenena anazy tamin'ny fotoana andro satria reo no mpitondra lay hazavany kristy vous voyez zay lay Lucifer hein reo no mpitondra hazavany ka ny zavatra nisy zany misy anankiray zany a évêque anankiray antsoina hoe Jérôme nasaina nanao traduction de bible avy amin'ny langue grecque avy amin'ny araméen. Il voit que la Bible, l'Ancien Testament était en araméen, le Nouveau Testament était en hébreu, si en grec. De Nassen, dans la traduction en latin, les Jérôme, un évêque, il était jaloux de son collègue qu'on appelait Lucifer. Ils ont dans la traduction, verset anakiray ilay anaran'le le Lucifer kanefa rehefa jerentsika ny boky originaly amin'ny langue araméenne de tsisy zay Lucifer mihitsy ao tsisy mot Lucifer zay agnatin'ny Bible originaly en langue hébreu zany tsisy on ne trouve pas de Lucifer fa am'le toerana nametrahany Jérôme le hoe Lucifer ao agnaty baiboly inona misoratra ao Ilel ben Shahar. J'ai le Msouvato, Ilel Ben Shahar, d'un soulouan, Lucifer. Dikantenwe, Ilel Ben Shahar, fils glorifié de l'aurore. J'ai dit qu'on est Ilel Ben Shahar, fils glorifié de l'aurore. Aurore, fantastique, diable, fascinant, tu entends, gasso, et mangirandrats. C'est ça l'aurore. 3 h du matin jusqu'à 5 h au moins, 4 h 30. L'aurore, mbola tsy mivoaka masoandro fa manomboko hita fa andeha ho kiaka ny andro. Ilel Ben Shahar, donc fils glorifié de l'aurore. Iza zanakiny aurore. Zay le fanontaniagna zay. Iza zany le Ilel Ben Shahar. Inona zavatra miseho isaky ny mangirandratsy fa zala? Entre 2 h 30 jusqu'à 4 h 30, il n'a pas de chance. Il n'y a pas de filaïne là. Vous voyez? C'est les anacni, mais il y a une race. Il faut qu'il y ait une race. Il n'y a pas de filaïne. Voilà le fils, Lucifer. Le fils glorifié de l'aurore. C'est ça. Lucifer. Vous voyez, Lucifer, il est dans la vétique, il est dans la fienzana. Vous voyez, c'est ça. Fatsué, Satan. C'est mille mazav, vous avez fait la 10 ou fin de cette schisme, là, ça n'allait en des yasses, en transmutation d'énergie sexuelle, base 10 ou yengatique, de là, ça m'y s'est fait, il y a ni autre, vous voyez, soit des tzis, soit des manoupsapiens, soit des sataniques, comme mazavatsar, de Satan, af, Lucifer, af. C'est possible, non, en douce train de Lucifer. C'est que Lucifer fait partie de nous. Chacun de nous, manant de Lucifer, manant. Autant que c'est manant de Rétique, c'est un d'entre, manant de Lucifer, etc. Des leptons de l'Azavan. Voilà donc Lucifer. Qu'à partir de Lucifer, nous avons dit que Rétre, Rétre. Youn, l'Alan, youn, la clé. De tous les pouvoirs. Et aussi, qu'à Maïta. Symbole, un mythe, un tantara biblique, toujours, nous avons Samson et Dalila. Dalila veut dire de la nuit. Ténébreux, Dalila. Zéna vient Lilith. Des dérèves, Ilel.
Vous voyez, tout ça est en rapport avec l'énergie sexuelle, le sexe. De Samson, Zania, n'a pas tout rien de Lila. Zania, endormissée, une conscience nan, s'identifier par la luxure, les femmes, très belles femmes, Zanise. De Fana, tout rien n'a pas un voulu. Ni voulu, Zania, symbolisé dans l'ésotérisme la chasteté. Oui, la voulu, des chastes. Des yundens, ça, c'est un titre. Ah, ce qui est collé, il n'est pas chaste. On ne parle pas du monde physique. On parle des mondes internes. Voilà donc la chasteté. D'un tapan, zanise, vers un pouvoir. Vous voyez? Parce que quand on transmute, l'énergie monte. Ça met des vertus sur la tête. Vous voyez? C'est ça le symbole caché. Donc, le fait de s'identifier à Dalila, donc à Lilith, les pouvoirs sont perdus. Il faut vers un pouvoir, tout comme les négociateurs, dans un Samson, des tafiets, sur Samson. Vous voyez? C'est ça le symbole qui est caché là-dedans. Ah, vous êtes sous, vous êtes chute, vous êtes tiens, enfin, Dina. Vous voyez? Là où l'acte sexuel se réalise. Donc, et on bon enfant, Dina, nous avons fait un Samson matanzaka, nous avons fait un Samson malim. Vous voyez? Alors, il y a une polarisation de l'énergie sexuelle. Donc, si on succombe à la tentation, on tombe. Si on triomphe sur la tentation, eh bien, on devient fort. C'est le même symbole étatique amené bouddhisme. Étatique, on voit le Bouddha en train de méditer avec sa tête illuminée, l'énergie sexuelle bien transmutée, miyakatambunen. L'arbre Bodhi, l'arbre de la sagesse, la gnose ou afaranyo. De là, nous voyons trois filles, les filles de Mara. C'est une fille vlanganaise, l'ésotérisme bouddhiste, les filles de Mara. Mais c'est un tentéisme détourné, méditation naze. Voilà la tentation qui est toujours en rapport avec la sexualité, avec l'amour, le sexe. Parce que nous voyons des fleurs, hein, nous voyons des filles qui s'amusent, qui chantent. C'est l'atmosphère de Vénus. Satya Azadinfa, Vénus, c'est l'étoile qui brille à l'aurore et au coucher du soleil. À l'aurore pour faire briller le soleil, au coucher du soleil, avant le coucher du soleil, pour faire tomber le soleil. Vous voyez toujours les deux polarités. Et Vénus, le sexe, l'amour, est toujours là, entre les deux. L'amour et l'anti-amour, Mazavawaz. Donc, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître. Vous voyez, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître. Une manœuvre éthique, c'est notre œuvre alchimique. Notre œuvre alchimique sera manifestée. Vous avez eu fente ou huit. C'était niandre, nous m'en palalaz. Nous afan malalaz. Niandre, quand vous voyez le jour, ça veut dire l'initiation. Les 7 premiers jours. Les 7 jours de la Genèse, les 7 initiations. Donc, c'est l'initiation qui fera connaître l'œuvre. Donc, si l'œuvre a été bien faite, le jour brillera. Vous voyez? Parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Vous voyez? Si l'œuvre que quelqu'un a bâtie subsiste, ça veut dire n'a subsister, il en recevra la récompense, c'est-à-dire la couronne de vie, l'erisatskatalwatui. Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte. Ça veut dire ratiamniaf, nanamboarano le œuvreno, à dire vodurun leaf. In nazavatitsvitaniaf duran, niafuyan tiazun duran. Vous voyez? Donc l'œuvre doit être bâti avec le feu. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, quand l'éoul nanana œuvre, si bâti sur le feu, si bâti amne l'alan af, dit durniaf ni œuvre nan, l'éoul sauvé yan, fa, otani à travers le feu. C'est le oui, à travers le feu de l'enfer, amener une évolution. Vous voyez? Donc, ne savez-vous pas que
que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Oui, c'est Paul, il a vu ce 9 qui nous dit ça. Ce corps que nous avons, c'est le temple de Dieu. Et le feu de la tentation arrive dans ce corps, sur cette terre, dans cette terre, pour éprouver notre œuvre. Si notre œuvre est forte, parce que bâtie avec le feu, à partir du feu, le feu de la tentation ne va pas nous brûler. Mais si notre œuvre n'est pas bâtie avec le feu, mais bâtie avec des dogmes, ou l'idolâtrie, ou autre chose, des croyances sans œuvre, eh bien, le feu de la tentation va nous consumer et nous allons être brûlés en enfer avec l'ego. Voilà ce qu'il faut comprendre. Arisari, les matungas ici comme succombé à la tentation. Ça tient, le Christ arrive. Le Christ arrive depuis Lines of Or, midnatiam tundase afuse, pour apporter la division sur la terre, sur le corps physique. Eh bien, misi trois traîtres, détourner ces énergies andai purifier tika zay, ces feux de la tentation andai purifier tika mbafatsika miakatra zay, détourner les trois traîtres de lasa tonga les succomber à la tentation tika. De les trois traîtres bro, en rapport avec les trois cerveaux. C'était fameux avant tika, nous avons trois cerveaux. Cerveau intellectuel, les yeux cerveau dans la tête, tu vois. Cerveau émotionnel dans le cœur et cerveau moteur instinctif sexuel dans le sexe. Ils symbolisaient amni tisari tatsikati. Là, on voit Dante, Alighieri, si Virgile. Ce sont des initiés. Dante, zanya, un certain 24 décembre, nandez anisi dans les mondes internes, voyage dans le monde astral, zanya, nidna en enfer. De midna de sphère en sphère, de mintantaren, zan yang atin bouk zan zavatren andalouvantay, naton sous forme de poème. Misaratil les bouki. Misoué, les enfers, le purgatoire et le paradis. Donc mandal zan isam les parties enfer, zan yang, mintantarizoué, misi sphère maro, misi sphère neuf. Neuf sphères, de tantaren inop zavatren misi am sphère tserekerek. Il fait mis conférence, natoati kam kaskanzeng, le médecin mail en parle. Am le bouquinoué, enfer, diable, karma. Afaka, mama kianze, ainsi que maïta détail, ainsi que ça. De là, am 9e sphère, il voit Lucifer avec les trois têtes et ces trois têtes, mis trois bouches, des minina ou les années en banane ou trois. Eh bien, ça symbolise les trois cerveaux. Qui avale donc la conscience, qui avale l'énergie destinée pour la conscience. Am chrétien zani, an sunam ni anavanoué Judas, Pilate, Caïphe. Mais faut m'amaki évangile zani tsika. Il faut m'tentar donc à ce que Judas, Pilate, Caïphe. Ben Judas c'est le démon du désir. Il aime vautran Christi, vautran les forces christiques pour 30 deniers qui symbolisent la matière, trois dimensions, la matière physique. Pilate, c'est l'ego, le démon du mental. Il est toujours se justifier. Ah, mana satanana. Tsiza manko, frayan. Voilà Pilate, mana satanana. Se justifier toujours. Et nous avons un troisième traître qui s'appelle Caïphe. Caïphe, d'ailleurs, c'est la mauvaise volonté. Ou en fou. Alok meznei. Il est. Il aime trahir le Christ, m'ta diamoun en Christ. Vous n'okmateni. Tu as un piano, tu as un piano. Tu as une formation, tu as un dafias. Tu as un voulant en détail. Une chose, tu as un mot de m'tenir, tu as un zava, tu as un zava. Tu as un tukuni tarkan, tu as un banan. Tu as un fazam tarkas, tu as un mot de m'tenir, tu as un zava, tu as un zava, tu as un zava, tu as un zava, tu as un zava. Tu as un zali bet, tu as un piano, tu as un voyez. Ça, c'est la mauvaise volonté. Nous avons dit que Pilate a dit que Caïphe, le Christ s'incarne là où il veut.
là où on est préparé d'eux pour le recevoir. Le Christ s'incarne à l'intérieur de nous. Chacun de nous a le Christ à un certain niveau. Parce que rien ne peut exister sans le Christ. Alors, il nous a vu une mauvaise volonté. C'était identifié, amené pouvoir, identifié en poste, identifié amené à satiato. Le lundi existe parce qu'il y a le Christ. Le mardi existe parce qu'il y a le Christ. Ainsi que le dimanche. Alors, dimanche, il brillait soleil. Mardi, il brillait Mars. Quel est le problème? Le Christ est Christ. Ça ne le change pas. L'œuvre doit être faite. La coloration de l'œuvre est différente. Mais l'œuvre est l'œuvre. C'est pour ça que le Christ dit Raoutaka ni reko. Nandefa, nous fantatareo, fafa renaro quoi? De sinatonaro en demonzawis. Fatin reko nous renaro, fa satana nous renaro. Satin renaro et fa pandenga tam voluni, lenga kuzani atonaro zanan. Vous voyez? Parce que Raoul, m'incarner Christ, si possible, easy, y attaquer ou l'AFA m'incarner Christ. Vous savez? Parce qu'il sait. Na de fumba hafa za voane na kreria, fantan. Satie om tsano na kreyanis et om christianis. Vous voyez? C'est ça. Donc les guerres de religion, ce sont des guerres de pouvoir terrestre. Ça n'a rien à voir avec le Christ. Parce que le Christ s'incarne en Perse, il est Ahura Mazda. Le Christ s'incarne au Mexique, il est Quetzalcoatl. Le Christ s'incarne en Égypte, il est Osiris. Le Christ s'incarne dans le médecin et l'environ. Le Christ s'incarne en Moïse. Le Christ s'incarne en Jésus. Le Christ s'est incarné en Omni Hermestris Mégis. Le Christ s'incarne encore à ce jour à des gens que vous ne connaissez même pas, qui sont des Christ. Vous voyez? Alors, quel est le problème? Est-ce que le maître Samaël, quand il est venu pour enseigner la gnose, il n'a pas utilisé la façon de Jésus d'enseigner? Parce que le Christ à l'intérieur de Jésus s'est exprimé de la manière de Jésus. Le Christ à l'intérieur du maître Samaël s'exprime à travers la façon du maître Samaël d'enseigner. Le Christ à travers Moïse a enseigné à la façon de Moïse. Mais c'est toujours le Christ. Donc, alors que ça tient mon coup. Non, tout que notre enzo, ils disent que c'est notre enzo. Est-ce que 10 va travailler ça? Vous voyez, c'est comme ça la mauvaise volonté. Nous mitjam nous le serré. Et c'est ça, Caïphe. Ah, Caïphe, ça n'est la mauvaise volonté. Il veut toujours tuer le Christ. Parce que le Christ s'en fout du pouvoir terrestre. Tisraïe s'en louise. Tu vois, quand il est devant Pilate, qu'est-ce que Pilate dit? Tiens, non, v'là une Pilate, faisa, manan pouvoir, mamounonon, amamelouanon. Et le Christ, qu'est-ce qu'il dit? Tu n'as aucun pouvoir sur moi, sauf celui que mon Père te donne. Vous voyez? Et Caïphe veut garder son pouvoir, mais une fanatère n'a rétablit. Il manque les cotisations rétablites, c'est un tarif. Ah, ti, ti, mon père, ti, pasteur, ti, un peu fulcaré, des ingzanio, des 4-4, V8, je ne sais pas, V12 ou quoi, nous aurions besoin de matmoussard. Et si le Christ s'incarne là, dans cette congrégation-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le fouet de la volonté, il va casser tout le monde dehors. Vous voyez? Et ça dérange Caïphe. Parce que Caïphe, plus maroula matour, manoupoise, manatra pa fulkarena, bis voulaïs. Katungan Christ m'tenu efa, tsisilana fanatera pa fulkarena efa, an pa fulkarena no anatno, me wan re no anatno. Matma kun tsena. Rona tsimanden tsena bak. C'est pour ça Caïphe complote. C'est toujours comme ça. Quel que soit le niveau. Dans tous les niveaux, quelles que soient les religions, quels que soient les groupes, même dans la gnose, dans la pseudo-gnose, disons, parce que la gnose est la gnose. Donc vous devez être conscient de ça. Chacun de nous doit regarder en en relation missiatique, à quel moment Caïphe m'a dit, il faut qu'on soit vigilant. Auto-observation, attention, et Caïphe. Qu'est-ce que tu fais? Et Pilate, qu'est-ce que tu fais? Et Judas, qu'est-ce que tu fais? Il faut se rappeler de soi. En égyptien, les trois traîtres en Sunawe, Apopi, Aï, Nebt. La mythologie égyptienne. En grec, ce sont les trois furies. En juif, Eliphas,
Bildad et Zophar. Ce sont les trois traîtres de Job. Vakinaru Job mis Namane, Namane mampidki dire fa nanring. Voilà les trois là. En maçonnique, Sebal, Orteluk, Stokin. Vous voyez, nous voyons toujours, quelles que soient les religions, nous avons les trois traîtres qui sont là. Iboyuzania, ils avaient quand les étiquettes, tu vois, Yuiz, Amsartim, illustré Istar. Là, nous avons les trois cerveaux, ou bien les cinq centres. Couleur jaune, cerveau intellectuel. Couleur bleue, cerveau émotionnel. Couleur rouge, cerveau moteur instinctif sexuel. Voilà les trois cerveaux. La Trinité, Père, Fils, Esprit Saint, Keter, Okma, Bina, Tenensika, Anyambunyanya, à travers nos telluas, nous, Mias. Mon pied, ce que tu Marc 8. Et tout, Jésus m'a dit, comment combattre? Comment ne pas écouter Satan? Il faut tout gazan Satan intenter de tous les moyens, et tenir arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Et appelant le peuple avec ses disciples, il leur dit, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Oui. Voilà les trois facteurs de la révolution de la conscience. Mourir, naître, se sacrifier. Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Se renoncer, renoncer à soi-même, c'est renoncer à l'ego. Mourir psychologiquement. Les défauts psychologiques, ça n'est mille mat. Zèle est la mort psychologique. Deuxième, qu'il se charge de sa croix. Où est-on la croix na? Nimolem tu ne la croix. Des fois, chemin de croix, digne avec blanc, ça ça. Physique de la croix. Des années en Indonésie, ça mis tenga fancy na yomits. De oui, ambunyari, kurina rang. De oui, jalotan Christi. Porter sa croix, c'est faire la magie sexuelle. C'est-à-dire union de l'homme et de la femme, union sexuelle de l'homme et de la femme, et se retirer sans répandre le sémen. Ça veut dire sans éjaculation, sans orgasme. Tadavna les feux, maintenir les feux dans la sexualité, avec l'amour, les caresses et tout. Faramtadi éjacule, ramtadi tunga spasme, on arrête. Et quand on arrête, ce qu'on voit, quand les femmes tissent, à droite, à gauche, je ne sais pas où, non. Transmuter. Tiens, vocamite. Vous savez, ou mets un César, c'est un César, ou mets un endemant, c'est un endemant. Vous savez, un peu fulcarina. Vous voyez? Un peu fulcarina, il est 10%. Ah, mais il a demandé une fiche de paix, il y a un pasteur. Ah, bon, 800 000 en caramaco. Des autres, les 10%. Afin de pasteur, on vérifie, oui. Ah, zole voula tukni tafiangunan. Ampafulkarena, c'est le iode. Le iode, c'est la goutte. On va dire le terme hébraïque, la dixième lettre de l'alphabet hébraïque, c'est le iode. C'est une sorte de point. Un point qu'il. Ça, c'est le iode. Avenam keteranyu. C'est ça ce qui est à Dieu. You sperma, you goutte de sperma, avenam nendemantre. Midna. Ça te dit qu'on respire, on pense, là maintenant, va te dire comme ni, et vous voyez, vous tirez, toi, mais c'est énergie, bah comme ni, il y a un cosmique, mid chat, à toi, à ton rano, à toi, tu les rano en boune, tu mis les rano en ban. T'en voulons, et fin d'un endemant, tu es en boune en rano, oui. De, ça rano, mais si une mazava, si une paréine, m'en levé, ni rano en boune, si une rano en ban. Voilà les deux os. Et la colonne vertébrale, il y a un rano en moelle épinière. Et le yod, c'est l'énergie qui est midna. Il est en train de se faire, il est en train de se faire. Ou même un endemant, il est en train de se faire un endemant. Il faisait un César ou un César. Donc le yod, le dixième, le dix,
la goutte de sperme, ou mieux on demande. C'est ça, oui. Ampafulkarena, véritable ampafulkarena, c'est ça. Fatsile de dengari, oui, mina vula noyo. Ton endemante, il m'vula yo physique. Soit on a non le. Mon père, pasteur, s'il est rabbin, resaka. Tiens, on a failli une naro. Mais mon père, on a créé, pasteur, on a créé, des rabbins, on a créé, zania, resaka. Oh, zela, on a. Inna ton naro, on a fantara naro, oui, fiu, mina endemante, m'y vula terrain piango nam naro yo. Antenne les catholiques antenne ah za za manao cercle ohatra an'izao de za ampivoany io de le vola tsipika ohatra an'izao de le voka ambadiky ny sphère ambadiky ny sphère igny ambadiky ny cercle azafady ambadiky ny cercle igny igny an'Andriamanitra fa zay tavela ato anaka ah za andray volagny pastera tsy manao cercle fa ligny fotsiny traceko de atsipiko izy zay ambadiky agny an'Andriamanitra zay atiny anaka ary ahoana no tenendro amin'ny juifs zany le rabbin. Ah, nakatsotra ihany a, tonga dia resiko ilay vola, atsipiko ambony ohatra an'izao a, zay tavelany ambony ihany Andriamanitra zay miverina aty amin'ny tany naka. Bon, oui. C'est pour dire, bon, c'est une blague, c'est pour dire Dieu, Andriamanitra, ce n'est pas la création divine, c'est Andriamanitra namorona vola. Ny fiangonana mila entretenu avy, mazava ho azy, parce qu'il y a des dépenses. Nous mamas à votre monde physique, il y a des entretiens, il y a des dépenses, il est à vous là. Fallait à zani religion, à zani bouki masne, nous justifier les organisations nous l'umbelon. C'est le oui, ou mais on César ou on César. C'est à votre organisation nous l'umbelon, organisation nous l'umbelon. Fallait un pas full carré na un endemante, in zavatan endemante. Ou mieux un endemant, c'est à venir un endemant. Il n'en savait pas venir un endemant. L'énergie sexuelle vient de Dieu. Donc l'énergie sexuelle fait retourner à Dieu. Voilà les 10%, les 10, le iode, le point, la goutte à venir un endemant. Bah en palavra les voulu. C'est la voix voulu et là, n'y était-ce là. Oui. Par expérience, vous avez fait une expérience de la matière, non? De la voulu, non? Voilà. Donc, la tentation est feu. Le triomphe sur la tentation est lumière. Voilà ce que le maître Samuel a envie nous dit. La tentation, c'est feu. Mais quand on triomphe sur la tentation, c'est lumière. La samazava conscience tika, mahivatra ny saina tika, mahivatra ny fanahy tika, afaka mahita anjely miaka midina amin'io tohatra, mampiaka midina anjely aby io, afaka mahita face à face. Atsika zao, nous sommes des étudiants gnostiques. Le maître Samael agnatin'ny bokinany retretra mampianatra comment l'invoquer, comment le demander des choses. Vitsy. Nous marchons sur le maître Samuel dans les mondes internes, on brise comme. De là, ça s'assine, on dit, en contact avec le maître Samuel. Oui, et alors, nous sommes aussi en contact avec le maître Samuel. Tout le monde peut être en contact avec le maître Samuel. Le maître Samuel a enseigné ça dans ses livres. Si vous êtes dans un groupe gnostique, vous allez dire, non, il faut qu'on brise comme maître Samuel. Parce que c'est dans ses livres. Tout le monde peut lire ses livres. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour être en contact avec lui, pour être lié intérieurement avec lui, c'est de lire ses livres et pratiquer ce qu'il enseigne. Vite. C'est ça la véritable connexion avec l'enseignement de Beth Samael. Mais pas, ok, ah, mais la mis papiana t'en a créé, yu yan en contact amnan. Ça, c'est pas vrai. Wanze maturian, manque mi l'intermédiaire. Fa wanze mfoua, manana le azavana. C'est-à-dire, on triompher à la tentation, mananazavana, afaka mayita, dans les mondes internes, le maître Samael. On peut l'invoquer, parler avec lui des problèmes terrestres et des problèmes célestes. Il nous donne des conseils, on peut lui demander des choses, on peut lui demander de l'aide. Ce n'est pas l'exclusivité de papianatra. Vous voyez, si papianatra, il faut tout le monde. C'est pour ça qu'on vous enseigne à être autonome. Ny fampianarana izay ataontsika eto izay azo resaina fa misy zavatra tsy azo resaina dia ao amin'ny tontolo tsy tamaso anao mahazo izy il y a beaucoup de maîtres beaucoup des anges là qui peuvent nous aider qui peuvent parler avec nous olo jiaby ah zay chrétien zay chrétien zao zay chrétien zao tsy sisy anankiray aminreo ny rencontrer jésus face à face pourquoi parce que idolâtre
Au lieu d'éveiller la conscience, au lieu de transmuter l'énergie sexuelle, ils continuent à forniquer. Des manganking les femmes en rose, amnoula na crise et tirer nous fa masing. Des mes faillites en rose, fait si masing que les ulfa fornicateurs quoi, cararo, yom zéro déçu yom zé. Vous voyez? Désolé d'être un peu direct, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà donc une image qui symbolise Samael. Samael, Tzizava, Izuanzeliu, Zenyadamni, Jacob. Vous avez vu un Jacob, fils d'Isaac. Michel Lenacraisin, Petaka. Si c'est une vata, vous êtes quelle? De Tunganyanzil Lenacraisin, Michel Lenyadamni, Nyadiz. Jusaka, Andrew, Kiaka. Jusaka, Andrew, le Pusaka, Andrew, Manarak. D'entend les Anzelwe. Avilom zez andev len leanzil. Fa wav le maswandro. Fa wav nyandro vovo. Fa wav le initiation. Dinten Jacob aha tsa vela konowis. Rati ou menou benediction za. Iz anara non tenene leanzil tamen. Anaraku Jacob. Manumpukan roane non tenene leanzil. Tsi Jacob tsune anaranofa Israel. Satia nou. Niadi amnul sad niadi amin'ny anjely niadi amin'ny andriamanitra ka nandresy. Voe niadi amin'ny andriamanitra. Donc niadi amin'ny herin'andriamanitra. Iza ilay herin'andriamanitra zay? Zay ilay misteria hoazavantsika. Zay ilay hoe Samael. Samael c'est la force, le dieu de la guerre. C'est lui nous manome la initiation. Izy nous mpondratsika. Ma pianète les consciences, hein, Jacob, hein, l'âme humaine, je m'en ai dit, c'est-à-dire, ça dit, non? Samael, Geboura, donc, c'est dans Geboura que nous avons la mère divine, que nous avons Lucifer. Vous voyez? Le serpent, ça, n'est pas le même, il y Geboura. Et nous, il y a les conférences, les traités sur Samael, le cinquième ange. Mais nous avons en détail. Qu'est-ce que c'est symbolisé? Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, non, il y a des éléments, il y a des de Israël en arrivant au Canada, c'est Jacob. Il est comme Azulé en arrivant être tzika. Donc pour incarner notre être, donc on doit lutter contre Samael, avec Samael. Zélé en arrivant miaf namni Samael. Son nom, de rancé aux anneaux am des symboles dans la Bible, yani amni adni Samael c'est Jacob. Il faut vite aux anneaux ad, car il faut nous nommer bénédiction. Do ar vlan Samael faut mettre bénédiction, non? De is nommer les en arrivant. Il t'a zoomé en teomni, footpenny Jacob. T'a zoomé en leanzelzan, t'a zoomé Samael, le footpen, de refantenizwe, anumkan rwane noa, Israel en aranoa, tunga de natsuaka, ni footpen. Footpen Jacob. Vaki ou bebul from souvatang zezavatase. De tiozan Jacob, zan refalasa leanzel, refanta nandeamzez, ni alam nutuevaneo, anaran nutuevaneo, c'est pinel, pinel. Vous voyez bien, pineal. Satia omni pineal mila matanza kazan pineal mba itazona le nervi sexuel mba tsiulatsaka. Oe la volonté. De nandem tsukila kazan dismande satia natsuka ni footpen. De vous voyez bien le symbole de l'alchimie. Misavata mila tsuanga zane o footpeo dans le sexe. Misavata rats la luxure mila stumna. Et c'est Samael qui enlève cette luxure à travers cette lutte. Vous voyez? À partir de là, miuva famindra i Jacob. L'âme humaine mieux va faire parce que notre soi calé négativité ou anatin. Voilà ce qui est caché dans ces symboles. De, on retrouve Samael dans l'Apocalypse 19, verset 11. Mais ce verset embrasse comme cascade, fidèle et véritable, il juge et fait la guerre avec justice. Parce que Samael c'est le dieu de la guerre. Il est fidèle et véritable. Il juge. Parce qu'il est de la tribu de Dan. Dan, c'est Geboura. Parce que les 12 tribus d'Israël, ce sont les 12 signes zodiacaux.
de Gebura zany c'est Dan. Et son nom obtenu fan ratana anarani Samael, de droite à gauche. Samek, Mem, Aleph, Lamed. Li ten hébreu zany ten hébraïque hein, dire ten kabbalistique. Zéma tunga tsika mi insiste à chaque conférence tsika mpid tamoramora zay ten zay parce que le maître Samael nous dit la sagesse occulte est cachée dans les lettres hébraïques. Angat une lettre ou entitika manom méditation une lettre yo marbe zavatra hita ou information. Fatika zan avocat tsika quelqu'un lise les zavatra hita tsika en rapport et Samael le S Samek Samek c'est le S. Ils ont les symboles d'un serpent manekta ni rambuni. Vous voyez l'ouroboros première lettre Samek. Donc son nom c'est en rapport avec le serpent. Vous voyez le serpent qui va tenter Ève. Même, même, ça symbolise l'eau. Devez-vous, Yule, Tiambuntia, Tilentenenkutue, les iodes, les empafoules, une vague, dixième lettre, Tilekelembunti. Voilà donc même. Voilà, c'est l'eau, l'eau qui descend. Même, zane miskarazanrouf en ratanaz. Refan pouvonte, n'yotanye tuzia, ou pouvon samaele tuzia, pouvonte, n'ya. Autant les femmes les mêmes. Fara en phare, notre nom Adam. En pharante, les mêmes, mais quatre net. Tiod, tisan, t'invoque, il veut être un campan en théâtre. Dès les femmes, nous avons les mêmes. Même, Zania, dia ranu. Kale ram, Zania, midna. Isle est à ce que les goutting midna. Fara, il faut tungambani, Zanou tungam pharante, Zanou tunganyam sexe, de milam quatre naïs, Zanou zanbila. Tzilatsak. Vous voyez le, ce qui est caché dans la lettre même. Ar même you, c'est 13e lettre de l'alphabet hébraïque. Il se pratique, c'est la lettre de Tzilatsak, tamni 13, samedi 13, là, c'était 13 octobre 2018, en rapport avec Melchisedec. Vous voyez Melchisedec, M, même, 13. Vous voyez, il y a un article dans l'avocat, c'est comme Kaskanzei. Afaka Vakinaro, amni, pagini, fampianabra gnostique. Donc l'eau, c'est à travers l'eau, 13e qui est la mort. Rano num teraka fa fatesana, fa otra vere, fa otra conserveize, teraka fa velumana. Ta di divze. De Aleph, Aleph ndeya c'est A, le souffle. Je vais le souffle zanya. Nous avons deux yod. Yod na kreyam ban, yod na kreyam bun, nous avons un vaf. Vaf, disons, symboliser le liquide dans le cerveau, le yod dans le cerveau, le liquide dans le sexe, et nous avons la colonne vertébrale qui unit les deux os. Voilà le firmament. Démicine, firmament, amgenèse, aleph, ça c'est le souffle. L'air, ça symbolise l'air. Aleph, le dérèvement quiz. Colonne vertébrale, la vacourne na croix. Zéma tunga urna zoma itz vav, demis lava kanakro. Voilà alef. Zéma tunga nrivta mid tamnurna, fatiamni soufna. C'est caché dans la lettre hébraïque. Le kabal zan otanwe sartre, fave faheno izia, mafnartre. C'est-à-dire, ça te permet de dévoiler des secrets juste à partir de quelque chose de symbole comme ça. Yanaratika ro lettre ro, atika, c'est-à-dire, yun langage dans les mondes internes. Il fait veiller conscience tika en voyager en astral tika et en dire l'abus à travers un symbolisme brisak. Donc, tika mila compétent en brisaka symbole kabbalistique zé. Afa tika me comprendre en zavatari saïndo paratzani, nous n'allons rien comprendre. De les lettres faraniato à gauche ato c'est lamed. Lamed c'est le L. Lamed, ça symbolise l'union du cœur avec la divinité. C'est comme, c'est le cœur qui comprend le verbe de Dieu. Ah, tu as un cœur, hein? Dieu, hein? Nyakata. Nyakata mbouniat. Ti la tête, ti cœur. Vous voyez? Donc, la med, mi symbolise, ni fa zaoutika, message nandemant. C'est un cœur, un fou, mahazuni, zavratin nandemant, avisaina. Voilà donc Samael. Samael donc est relié au serpent, à l'eau, à l'air
et à la connaissance de la divinité. Zen matunga samaeli anu ni divulguer les enseignements de kaskni magie sexuelle qui est en rapport avec l'eau, en rapport avec le serpent, en rapport avec le souffle, parce que ni maîtrise du souffle, maîtrise de la respiration, nous a fait garder l'énergie sexuelle, tika ti ouvir. Dire que nous avons un rapport sexuel où nous avons un orgasme, qu'est-ce qui se passe? Incontrôlé souffle en nous, la s'accélérer, de faire me chuter. Vous voyez? Donc c'est la maîtrise du souffle. Farifa dinina leanarana, Samael veut dire poison de Dieu. Poison andiamant. Nawe boisson amère de Dieu. Manguide. Zema tunga Samael refa tunga ref tunga de manguide anon. Manguidouanise, manguidouanie go. La doctrine du maître Samael, manguide. Zema tunga tsika vitue. Nawe zamin men fawe afen cathédrale tsika. Satria mangidy mampangidy ny sofina mihaino zavatra resantsika. Samael zany mahitsy. Tonga dia ta mampadio de la guerre izy zany rehefa miteny izy dia direct. Dia mangidy amin'ny ego ilay zavatra. Fa dikany Samael koa médicament de Dieu. Satria mila amiana médicament tsika à travers un karma, ouais, les épreuves, parce que ça dit le karma. C'est en rapport avec la mère divine qui vient de Gebura. Donc ça vient de Samael. Facette, c'est le médicament qui permet à la conscience d'être guérie. De Samael, c'est l'ange que Dieu utilise les fins d'y punir. Autant en Égypte, en Apaka, Amunoni, Laitoukani, Égyptien, c'est Samael qui exécute ça. Les familles Ramandi, de Samael, yo. Ozan Samael. Une bibi, ah, ça m'est lion, je m'anenzka ni gazelle. C'est Samael qui pousse ce lion à attaquer la gazelle. Vous voyez? Fa, dans le monde des animaux, instinctivement. C'est ça, un archange. Un archange, ce sont des êtres responsables d'un groupe d'animaux. Les humanoïdes sont des groupes d'animaux. Il y a des, les archanges régissent les groupes d'animaux. Rehefa misy olona misotrotoaka ohatra de misy bagarre, c'est Samael en tant que archange responsable groupe d'animaux no nampiady an'ireo. Fa pour devenir un homme véritable, pour recevoir le nom de son Dieu, il faut combattre Samael. Io le symbole ni adiny Samael si Jacob. Et c'est pour ça que Samael a pris un corps physique teto. Nangamie le doctrine nani, ma ampianatra tsika, otany ahoana to miady azy. C'est ça que le maître Samuel est venu. Parce qu'il a vu que les humanoïdes sont trop faibles. Ne supportaient pas sa force. Ils ne savaient pas se battre contre lui. Alors il est venu pour nous enseigner à nous battre contre lui. Pour que notre être puisse s'auto-réaliser. Parce que raota tsim se combattre, tsim combattre contre Samuel tsika, tsia tsika nara ni etra tsika. Zanwe zany, tsia incarné ni etra tsika. Voilà sa doctrine. Et sa doctrine est amère. Manguide, ça tient mille à mourir psychologiquement, renoncer à soi-même. Et c'est très difficile, facile à dire, à expliquer. Mais quand on est dans le feu de l'action, de quel bois on se chauffe, flamme rosée. Voilà donc. Qu'est-ce que ça m'a elle? Pour conclure, comment ne pas succomber à la tentation? Comment nous anilenga, nous arme, nous entitika, refa tratra une tentation tika, c'est-à-dire nous en fiennga tika dans une suisse yan fa kapanay. Ka refa misy zany fa kapanay ka mafy, tegna hoe tadidivo ti vavaka zay nomeny maître Beramento tika ti, le hoe le notre père na hoe la prière du Seigneur. Yo zany, efa mbresite io atsika avec conscience, tonga de renforcer la conscience matanzaka, mazuer zany. Satria c'est une invocation. Dans les sept niveaux du mental, rajerena vo misy fito zavatra angatahiny io. Parce que chaque niveau du mental, chaque séphira, misy
en rapport avec ici. De ouvrir ici Kazanizia. Notre Père qui es aux cieux, sanctifié soit ton nom. Ah oui, que ton nom soit sanctifié, c'est la même chose. Sanctifié soit ton nom. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain supersubstantiel. Et pardonnez-nous nos dettes comme nous pardonnons également nos débiteurs. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, c'est-à-dire de l'ego. Car à toi appartient Malkout, Geboura et Hod pour toujours et à jamais. Car à toi appartient le royaume, le règne, la puissance et la gloire. Malkout, c'est le royaume, Geboura, c'est la puissance, Hod, c'est la gloire. Pour toujours et à jamais. Amen. Voilà donc cette pétition qu'on fait lorsqu'on est dans la tentation pour ne pas succomber à la tentation. C'est une prière très puissante si on la fait d'une manière consciente. Fontanira. Ce sont des parties de l'être. Fassambiamni avem gibura wetik. Satyez en zavatamis zo. Avemni absolument quoi? Aïn, aïn sof, hein? Des aïn sof or. Voilà la première manifestation du Christ. Zéansungawe, le premier engendré. De tungamni keter, hokma, bina. De refam ingzani, refam se manifester ati ambanati, ni archetype vetchareta zani en volouane, avemni aïn sof or. Deve fam voca zan que ter okma bina le tua force primeira ou amni okma zan nu petrani arketip retrarit. Am mondni atilut zei arketip. Deve fa vio ve fam voca amni mond de bria mandal omni dahat zan am crez ava chambane tia. Deve ni arketip ave amni okma renga ou amni gebura num petrak. Donc ou am gebura zan mis partini etra retrarit ou zez zan ufet. Fa Missa sans aller s'activer à l'eau pour préparer la venue des autres. C'est ça l'initiation. Donc pour préparer le chemin de l'initiation, Samael, habillé de la mère divine, monte sur le serpent. Ce sont trois choses, mais qui travaillent ensemble. Par exemple, un exemple, en presque érection. Quand on a l'érection, on dit toujours c'est Lucifer qui apporte les num permetratika manana érection. C'est ce qu'on dit. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Mais pour que Lucifer puisse aller apporter ce feu dans le sexe pour avoir l'érection, il faut que la mère divine prépare les cellules. C'est ça le rôle de la mère divine. Donc la mère divine prépare les cellules. Lucifer amène le feu et Samael travaille le feu. Vous voyez? Donc, ce sont trois aspects, mais, spécificité. Parce que ce sont des différentes parties de l'être. La mère divine, c'est plutôt par rapport à la nature, psychosomatique, en tant que corps, hein, préparation du corps, mangamia vitalité, les corps, mangamia les tissus obstructions, amni cellules, amni canalio. Ça, c'est la mère divine responsable de ça. Des Lucifer, on ne tourne ni à vous. Vous avez foutu, il apporte le feu. À vous, ils ont dit, ça tunga ou, amni organe, on va être Lucifer ou. Mais toi, à vous, c'est parce que Lucifer est là. Mais pour qu'il y ait à vous, puisse se mettre en place, amni une place, c'est parce que la mère divine, toko, n'a pas de partie. Et la force, on s'en dit, ou la vigueur, hein. C'est-à-dire, matanza que les lavi frères de tout le reste, les vivas, votre sabour, attendre les connexions, ça c'est Samael. Vous voyez? La virilité, c'est Samael. La rigueur. Donc, les trois travaillent ensemble. Effectivement, une tsar, les fontanières, c'est-à-dire, caracom, différentes parties de l'être, parce qu'on pense que ce sont des choses là, non, ce sont des choses qui sont là. Donc, c'est à travers un travail avec ça, nous, petit à petit, se cristalliser, tout, les vertus. Parce que les différentes parties de l'être, ce sont des vertus, des pouvoirs que nous avons.
Fa voatra antsika amin'ny succomber à la tentation noho ny sapen'ilay trois traîtres zany ilay énergie. Asa pendant l'acte sexuel de lasa luxure ndray eo amin'ny mental eo. De tonga de tsisy contrôle amin'izay amin'ny activité a tsisy puberté de lasa nivoaka izy. Voye? Donc lasa dans une trois traîtres ndray. L'énergie. Qui sont des parties mais à l'opposé. Qui font partie de l'adversaire, de Satan. Oui. Les afs tunga yan, mais toi mis l'érection parce que les afs au. Fa, les afs on zé zanya, au lieu de. Et t'en avons les afs, hein? Le feu c'est pouvoir. Donc le feu arrive dans la sexualité, normalement, ou hein, un être autoréalisé. Quand un être autoréalisé fait une connexion sexuelle, il n'y a afs tunga yan, tunga de transmuter en verbe, il crée quelque chose dans les mondes internes. Oui, là, la lumière de Lucifer invoque. Fantika, à fin tunga, d'être à Zavang, et t'as dit les clipotes, nous prendre dessus les côtés négatifs. Ou est-ce que l'élite a sa violence sexuelle? Des avatams, c'est ou fait création positive, là, sa création négative. Vous voyez, c'est cet aspect-là. Fare fama mi mapina, tisa, là, ça, Lucifer, pouvoir Lucifer, tunga, tunga, des avatams, amboun, bez avatams, vitan. Zay le famille pirata natitsika resaina. Zany hoe zany tsy mivoaka pouvoirany rehetrarehetra. Zay zao ohatra ataontsika hoe quand voakombona zay a, lasa hoe juste élection fo hita io. Fa le pouvoir de création de feu zany tsy hita. Parce que igny le lasa hoentin'le défaut psychologique le zavatra. Fa i raha tsisy igny défaut igny a, tonga de misy pouvoir énorme be mivoaka io. Zay. Tu parles de la Bible, l'écriture sainte, c'est par rapport au rêve. En Bible, Mbayaru Vanatsika. Zedaniste en volouen. Zedanianton. Parce que Zavatsin Chikan Rwanze, à partir de Zavatsin Chikaze, nous avons fait un aroma Zarenzil. Namanzar démon. Parce que c'est Azadin. Ni démon, ni malalan tsara, c'est nirats. Kofa, ni safid nirats. Vous voyez? L'humanité, à une certaine époque, ni protégée, comme des avions, pour la préparer. À raison des informations. Fatika zone, on divulgue, à y sortir, à tika et fait possible, tu nous la sapire. C'est ce qu'ils font fond. Vous voyez? Donc, il n'y a plus rien à perdre. Il n'y a plus rien à protéger. C'est-à-dire qu'il faut tchavtre. Vous avez l'air ici? Il faut tchavtre. Donc, il n'y a pas de faire des avatars, mais il faut tchavtre. Il faut tchavtre, bravo, hein? Soit des bambis, il y a une crête, il y a une crête. C'est-à-dire qu'il y a un endroit, il y a un avatar ou un tondor, il faut possible ou pire que l'avatar, il faut faire un tondor. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils ont donné. Nous mettons ça en boucle, mais c'est un zénith. Nous avons mis ça à toi, ça, oui, ça. De m'tout vemni, ou l'en a créé, du bon rano, et famat, fani, ça a tout foutu, mi fou non bon rano masse, n'ayo. De, in foutu, n'oué, en des sauvés, in ça a tout qu'il, bah, fan embrace, oui, ah, n'a venu sur l'autre en zo. Vous voyez, c'est un peu comme ça la situation actuelle. Tellement de nous les fa des millions ils s'en rendent dans l'atmosphère ni en ferro. Faut même affecter totalement expliquer les avatars pour que basé ni c'est un seul qu'il mette à avoir une bah va faire une zone là ça tu vas défaire sur le fait si ça va. Tenez. Fatan fotoana andro talohany afenina izy ho an'ny grand public. Fa ho an'olona maneo
maneho fahavononana, fitiavana, hiova, hiala amin'ny toetra ratsy, mandala épreuve maromaro, dia sintomina tenenina amin'ny sofiny ihany ilay izy hoe zao. Igny la to igny la antsointsika hoe société secrète ohatraohatran'izay. Zay zany taloha. Fa zao izy efa accessible à tout le monde. Nefa zava-misy anie zao e. Accessible, mais personne n'écoute. Zay ilay izy. Fa il faut pratiquer. Première étape aloha mihaino, mazava ho azy. Il faut comprendre hoe inona ny zavatra ianarany, inona azy ity zao sy zao. Fa rehefa vita igny a, manatanteraka. Fa mampalahelo koa zany maro olona misy étiquette hoe gnostique eto am'lahara eto, fa tsisy gnostique. Parce que azadino fa gnostique, dikany hoe gnostique mahalala. Tsy mahalala intellectuel, fa mahalala ny ainan'ilay izy. Tsy misy gnostique amin'ny étiquette fotsiny. Gnostique satria mihaino conférence. Gnostique satria agnatin'ny club anankiray antsoina hoe association gnostique. Fa tsisy. Tsisy miresaka amin'ny Samaël. Face à face, si c'est une brise comme ni être en face à face, nous l'avons créé, mais chance, je prie, Zingtengitokwe, pour vraiment transformer quelqu'un, c'est de voir son Dieu intérieur face à face. Raman, moins ni être en roue, mais toi-même, n'avons virnati, n'avons pas la mise ego, pas la traite ni ego en roue, fait n'avons gardé cap. Fantatra anareo fa misy andriamanitra, hitako andriamanitra, ao andriamanitra, fa anao faible, mbola misucomber la tentation ndraindray, fa anao zany manoy ihany. Lavo anao mitsangana, lavo anao mitsangana, fa anao mandroso. Fa raha tsy niainan'izay ny olona, dia mbola tsy, mbola fragile, mbola mora détournena. Et pour être vraiment gnostique, être un gnostique, un véritable, c'est de voir son Dieu intérieur face à face. Antsika io manko rehefa miresaka andriamanitra zany, misy olona, tsy olona jiaby fa misy olona majorité mihatrefa hoe ah agny izy olona anankiray izy quelque part agny misombotra be lava be de rehefa miteny izy de magnakoako zanako 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 maninona 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 anao manao anao anao anio tsy ohatran'izany, mais c'est une énergie divine. Ary tsapanao fa izy ny poiranao, ary tsapanao am'izay fotoagna zay fa anao tsisy dikany. Nous sommes rien, franchement rien. Na taio kakana io mbola misy valeur. Sérieusement, hein? Fa ego tsika ne no mahatonga tsika mety fa hoe zavatra sika. Atsika tsy nous sommes rien. Quand on est à l'intérieur de l'être, cellule no rehetra rehetra, fagnahy no rehetra rehetra mahatsapa an'izay fa hoe tsisy dikany anao fa andriamanitra ao dia zavatra rehetra izy. Vous voyez, resaina izay zamana zava izay na rojo manana compréhension izay zavatra resako izay. Fa izay compréhension zavatra resako aminareo izay tsy tegna izy izay. Fa ho fantatra anareo marigny, azonareo marigny izay compréhension izay rehefa tegna ao agnatin'andriamanitra anareo nareo. Ary izay fotoana izay tsy maintsy ho avy fo ndray andro agny rehefa mipratike anareo. Ça c'est sûr. Tsy afaka olona no hitondranareo mpiditra anareo amin'izay. Fa tsy maintsy etre anareo no mahita hoe hoentiko ty zanako ty avoakako hoe iza moa za. Tsisy teny mahalaza an'izay. Tsy ohatra hoe azave aminay ohatra ny ahoana ilay zavatra, tsy possible. Tsy possible. Inona moa izany no mahatonga ny tsirairay ho lasa gnostika? Mahatonga ny? Ny olona tsirairay ho lasa gnostika hoe safidy ny ve? Azoko ilay fanontaniagnanao ka hoe inona mahatonga izy lasa gnostiky na dia tsy fantany aza vavatra io taloha sa ohatra hoe maninona zany tsika eto azy no tsy haiko hoe ny fidina ve zany ny fidina atao anatao maro hoe natao afantatra anty gnostiky. Manina isika no mahafantatra azy fa maninona ny sasany tsy mahafantatra, fa maninona sasany mila be mihitsy mahafantatra hoe misy zany gnosy zany tsy resaka zao rehetra zao. Zay tareo ny mety Samaely a aveloko indray androany manko anniversaire ny incarnationany, c'est normal qu'on parle beaucoup de lui. Zay gny anisany zavatra ny teneniny
tonga zaho izy tsy hoe anangana secte vaovao na groupe religion vaovao na inona fa je suis un poteau indicateur izy. La gnose zany a ohatrany un groupe gnostique zay angamba tenenintsika un groupe gnostique a ohatrany poteau anakiray manome hazavana amin'ny toerana anakiray de arakaraka an'ilay olona raha lay olona zatra mandeha amin'ny maizina sy mandehary hitany hoe misy hazavana ry aza tsy andehary fa zay olona mila hazavana manatona fa ny important zany hoe misy hazavana mirehitra zay zay ny andraikitrytsika andraikitry ny groupe gnostique c'est ça manome possibilité ho an'ny fagnahy zay mitady hazavana mahita hoe fa ary misy hazavana sasarety la fa tsy andraikitrytsika ny andeha agnatsoaka izy amin'ny tragnonany agny ampahavy izy ety andraikitry n'iza zay andraikitry ny etre anazy oka ny asa tanako sy ny zanako dia ho aisa mirery vo voye misy an'izay dans la bible donc matoa atsika zao tonga mianatra satria le etre atsika zany agnatitsika ao mandefa antsoina hoe inquiétude spirituelle hoe fa maninona ke ohatra fa maninona misy fijaliana fa maninona fa maninona vo hoe ya quelque chose dans notre tête iza moa mandefa io point d'interrogation maro ao io fa maninona hoe fiainana ve de teraka mitombo mijala l'ecole mianatra bidi voakapoka ny matahotra amin'ny examen so tsy afaka de rehefa av eo manambady de rehefa av eo mitady asa tsy mahita mijaly amin'ny chômage de rehefa miteraka indray a problème amin'ny ankizy de rehefa av eo indray antitra de maty zay ve fiainana io fotsiny ve fiainana a tsy voa zay ankety io zay iza manmetraka an'izay ao a misy partie ny etre atsika koa ao kitika an'izay c'est lettre no manosika atsika hikaroka hitady azy satria izy te hidina te hiana te hiasa eto ambany eto nefa tsy afaka miasa izy raha tsy zana nefa prépare de izy no mandefa inquiétude fa rehefa misy inquiétude zany izy a nefa tsisy hazavany hitany zanany afaka agnatona ry detsy zay ny anton'ny religion rehetrarehetra io e pour amener cette lumière partout de adaptena ny fomba fijerin'olo za zao raha iresaka aminareo eto zao ataoko amin'ny fomba firesan'ny jésus tsisy mipiritra koa nanankiray nareo na io zao antsika manao citation kely eto za efa mahita monimonaigny aby sasany magnoaka sasany mandry voye fa jerenareo ma rehefa teroko amin'ny teny mahitsy zavatra somary crash de tonga de mifoa jiaby de miome vo voye c'est comme ça donc il faut adapter la façon d'enseigner par rapport amin'ny auditoire fa tsika zao par exemple lasa hoe ambassadeur ministre namatsika teto zao de mbola nagnano solennely amin'ny resaka conférence vo voye satria manino satria andehanjono olona zay le tenenin'ny jésus tamin'ny pierre ndaonao pierre ialao agny io manjono io trondro io satria trondro manjono trondro manko sa transmuter l'énergie sexuelle efa vita zany transmutation d'énergie sexuelle de efa lasa maître de ndao amizay gnatsika anjon'olo efa anjon'olo amizay ohatra ny ahoana amin'ny alalan'ny feo manko manjon'olo efa anjon'olo anao de zavatra tiany manko teneninao zay mahatonga rehefa manjono le sakafo tiany trondro io no atao eo ya jerenareo efa bon te anjono tamin'ny tanora na olo mbola voahiditra amin'ny resaka spirituelle de resaka voyage astraly atao tema vo voye ya voyage astraly atao tema na karma ohatraohatran'zany na magie zay zao manitona olo zay fa anao zao raha mpamisavy regny tena jonona de tonga de hoe fanafody gasy tao ohatran'izay dadarabe ohatran'izay ny titre ny tema ya ni hery ny dadarabe mafinaritra tema zany a de jerenao fa tonga aby dadarabe jiaby io avy io ndao jery ona tso de misy matanjatanjaka ny ohatra za mbadika fa ndao ianarako vo voye c'est ça manjono olona fa rehefa tonga amizaygny izy a teneninany amizay renonce à toi même porte la croix suis le christ zay fotsy zay le rehefa résumé antsika ley la gnose c'est ça trois facteurs de la révolution de la conscience tsotra renonce au défaut psychologique transmute tes énergies sexuelles sacrifie toi pour l'humanité là où tu es vita courbe samby barake fa atsika araka nyteneniny maître hilarius neuf miteny izy hoe maro ny zavatra tiany tenenina ho azavaina ho ampianarina ho izy fa miadina loatra ny sainareo izy de tsy maintsy homena ronono anareo
Fa rehefa olodehibe nareo zay vao omena sakafon'olodehibe vao mihinana hena. Voy. De zava-misy nefa matetika gnostika rehefa un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans dans la gnose, efa mieritreritra avao fa efa hena io hoaninareo io. Androany zao nareo zao hoe zavatra tsy henonareo fiangonana rehetrarehetra henonareo ato, de efa hena mihitsy zany hohanina zany ambony be zany a. Fa zavatra teneniko aminareo, mbola ohatra antsika zao hiditra trano, mbola mandondona varavarany lakoro ary atsika zao zavatra resantsika zay. Fa le tegna ao anatin'ny trano zany rehefa éveillé conscientsika jiaby mianatra tsy mila mpampianatra eto intsony atsika. Zay ny atao hoe participer dans le royaume de Dieu. Zay ny tanjona. Fa nohony atsika miadana loatra fomba fifandraisantsika, voatery atsika magnano groupe physique, voatery atsika mandefa publicité sa publication sentariny jiaby mikasiky tema manazava. Fa misy zavatra va tsy azo azavaina, tsy hoe tsy tiana nazava azy fa tsy hay anazava azy. Satria lalina loatra zavatra ny fagnahy. De raha resahinao izy a, diso le zavatra resahinao satria tsy le tenitsika zany tsy mahavoaka izy. De zay mahatonga antsika mianatra any lettre hébraïque, mianatra symbole regny a, satria le langage agny zany fahaizanao regny kapitenao izy avec l'intuition. Et c'est ça le chemin. Ka anavao ho décourage zay raha ohatra mieritreritra fa hoe ah misy maître hitarika eto amin'ny fizika eto. Tsisy. Ary zay miteny an'izay manadiso mpianatra. Satria olona fizika eto tsy zavatra vitandro aminareo. Na ino ny voanany na ino ny voanany. Mampianatra ihany ny azony atao. Fa hoe hitondra anareo hiditra amin'izay zavatra zay tsy possible. Etra anareo fotsiny no mandefa anareo. Efa hitany eto hoe atreto aloha amin'ity existence ity dia atreo. De hitanao igny manjavona igny olona igny tsy hita kely. De any ndray izy maka expérience midinao mahita ah tary igny misy hazavagna fahakombrabe ty de miverina ndray koa izy ny compréhension any miova ambonimbony koa. Raha te hianatra bebe kokoa momba ny zavatra nianaranao tamin'n'ity famelabelarina ity ianao dia manasanao izahay amaky ireo boky nosoratany Samuel Overhaul ao amin'ny tranombokintsika ao amin'ny Gnostic Foundation org. Izany rehetra izany dia tanteraka no famezam-pahasoavam-piaina tahaka anao. Manaova fanomezana ao amin'ny pejy Facebook fampianarana gnostika. No fanomezana rehetra dia manampy. Misaotra anao Tompo, engany ny olona rehetra ho sambatra.